Durant tout l'été, l'équipe de Loving Fun a continué de vous conseiller et de vous aider. Un soir de juillet dans un camping à Saint-Brieuc. Ah merde, j'ai pas de capote. Bon bah tant pis, bonne nuit. Salut, c'est ici la panne de capote? Ouais. Tenez les amis, j'ai ce qu'il vous faut. En plus, j'ai pris une boîte de 12. Super, merci hein. On va pouvoir passer une très bonne soirée. Très belle dente, hein, c'est une quechua. Là Karel, il faudrait partir maintenant. Là. Ce soir, Loving Fun est de retour. Loving Fun. De 22h à minuit. Avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Fun Radio. Il est 22h et c'est une nouvelle saison de Love in Fun qui commence. Tellement content de vous retrouver, c'est vrai ça. Toute la journée, on était dans l'attente. Allez, on y va. Non, faut attendre 22h. En tout cas, on est très, vraiment ravis d'être avec vous jusqu'à minuit. Alors, c'est vrai, Love in Fun, nouvelle saison, nouveaux horaires. Hein. Oui. 22h minuit sur Fun Radio, ça va être enfin le moment de tout se dire, j'ai envie de dire. C'est ça. Et, ouais, et vous l'avez entendu, la belle voix d'Alice qui est avec nous. Oui. Bonsoir Alice. Bonsoir. Bon, et rayon de soleil, hein, je vous le dis direct, les amis. Pourquoi? On est en streaming, funradio.fr, pour voir les images. Alice, c'est magnifique, plus belle que jamais. Oh, merci. Ah, ça veut dire quoi? La dernière fois, j'étais pas. Non, c'était pas ça, quoi. Ça veut dire petit bronzage estival. Ah, oui. Ça veut l'été dire... me va bien, c'est vrai, petit... l'été nous va bien. Voilà, petite tenue d'été. Magnifique. Bah merci, je suis très contente d'être là, de retrouver tout, le micro, la bonnette. Je vois encore mes petits postillons de la saison dernière, j'adore. Ah oui, oui, oui. Et vous allez découvrir dans un instant le nouveau doc. Ah oui, suspense. Le nouveau doc, mais d'abord, dans l'équipe, il y a toujours. Ah oui, toujours. Ah bah oui, Kassim. Et merde. Je fais une petite présentation de l'équipe, bien sûr. Kassim est là, ça va Kassim? Ouais, très bien. Alors Kassim a une grande résolution parce qu'on avait terminé la saison dernière avec ça. Mais oui. Kassim a toujours eu un regret dans sa vie. Ouais. C'est de ne pas avoir eu son brevet des collèges. Je n'ai pas eu mon brevet, ouais. Cette année, Kassim passera son brevet. J'espère que je vais l'avoir. Hein. Il est stressé déjà. Hein. Il est déjà stressé. Non, et c'est vrai, ça va être l'occasion de vivre ça au cours de la saison. Hein. Ça fait partie des petites surprises, des petites nouveautés de cette nouvelle saison de Love in Fun. Mais t'imagines, je ne l'ai pas. Tu vas pas l'avoir, Kassim, enfin, c'est sûr. Hein. Bah, c'est ça qui serait vraiment fort. Oh là là. C'est que tu ne l'es pas, justement. Et on vous accompagnera, bien sûr, avec cette grande histoire de Kassim et son brevet des collèges. On a joué le standard cette année au bras de fer. Eh ouais. Il y avait Guillaume et il y avait Coco. C'est Coco qui a gagné le bras de fer. Voilà, il a pris la place de Guillaume du stand. Oui, mais ça s'est fait sur un accord. Ça va, Coco? Bah nickel, je suis super content de vous retrouver là. Eh ben, on est très content que tu sois là. On t'accueille avec grand plaisir. On a une pensée bien sûr pour Guillaume du stand. Bah oui, bisous. Guillaume qui a choisi l'amour. C'est vrai. Plutôt que Love in Fun. C'est vrai. Il a décidé de rester avec sa nana pour passer plus de soirées avec elle. Et on l'embrasse très très fort, Guillaume, parce qu'on l'aime beaucoup. Oui. Et je sais qu'en plus c'est réciproque. Bah hein, oui, donc, il nous aime beaucoup. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Donc j'ai fait presque toute la présentation de l'équipe, mais vous l'attendez avec impatience. Ah oui. Après avoir bravé les étapes des castings du nouveau doc, après avoir annulé ses vacances à Los Angeles pour être avec nous ce soir, après avoir combattu Hulk d'un seul coup de stéthoscope, il est là parmi nous ce soir. Je peux vous dire que c'est un homme. Il aime les chemises hawaïennes, prendre son petit déjeuner avec un chocolat au lait. Ce soir, je vous demande d'accueillir bien fort notre sexologue, notre nouveau doc, Wilfried Pavageau. Wow. On est heureux, hein. Bonsoir, Doc Pavageau. Bonsoir. Ah putain, quelle belle voix, sans déconner, il a une plus belle voix que moi, ça me fait chier. Ça me fait déjà chier. Il file des complexes. Ah ouais, non, vraiment, on est très content de t'accueillir. Alors, ce qui est fort, c'est qu'on avait terminé la saison avec toi. Et oui. Et on la commence avec toi. C'est beau ça. Hein? Alors, je sais qu'il y a sa famille qui écoute, hein, parce qu'il a prévenu forcément ses amis, oui, ses proches. Est-ce que tu veux embrasser ta grand-mère peut-être qui écoute ce soir? La terre entière, mmh. Et ben voilà. Alors, Doc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Toi, tu es sexologue, hein, c'est ça. Ma formation, c'est médecin généraliste. Ouais. Et puis ensuite, j'ai fait sexologie et maintenant, je ne fais plus que de la sexologie. Ah,
c'est fou. C'est ce que je voulais faire moi aussi quand j'étais plus jeune. Mais finalement, il n'y a que la radio qui a voulu de moi. Ouais, c'est un peu ce que tu fais quand même. On parle de tout dans cette émission. Mmh. Et d'ailleurs, vous allez commencer d'ores et déjà à pouvoir nous appeler au standard au 01 42 48 5000 toute la soirée sur Fun Radio. Vous avez été toute la journée nombreux à poser des questions aussi au Nouveau Doc sur Instagram. Oui, exactement. Il y a une petite publication sur l'Insta Story de Love in Fun. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Il répond et attention, il fait attention. Hein. Il regarde tout, il répond tout. Super. Hein. C'est un doc consciencieux. Ah oui, très rigoureux. Qui aime le travail bien fait. Et on va accueillir notre premier auditeur. Forcément, c'est l'auditeur du soir. On ne change pas les bonnes habitudes. Vous apprendrez toutes les nouveautés au fur et à mesure de l'émission. Il y en a beaucoup, à commencer par Doc Pavageau qui est avec nous. Et nous accueillons ce soir Alison, notre première auditrice de cette nouvelle saison. Elle a 21 ans et nous appelle du Mans. Bonsoir Alison. Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir. Salut. Comment vas-tu Alison? Ah bah ça va bien, vu que vous êtes revenu, c'est cool. Ça y est, est-ce que tu t'es branché sur le site de funradio.fr? On est filmé tous les soirs. Ah non, pas encore. Ah bah il faut absolument que tu vois la tête du nouveau doc. Il est moche. En plus de sa voix pourrie. Non mais en plus c'est le médecin beau gosse, tu sais. Oui, avec oui. La petite barbe un peu grisonnante. Poivre et sel. C'est ça, le médecin de Grey's Anatomy en fait. On l'a chez nous. Ah mais quand je l'ai vu arriver, je me suis dit putain, il est beau celui-là. En tout cas, on est très content de vous le présenter là ce soir. Alison, tu vas être notre reine ce soir. Oh, c'est trop cool. Tu sais comment ça se passe dans cette émission, l'auditeur du soir participe à l'émission. Si tu as un truc à dire, tu n'hésites pas. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi Love in Fun pour tous ceux qui nous rejoindraient et qui découvriraient l'émission puisqu'il y a de nouveaux horaires, 22 minuit tous les soirs? C'est la meilleure émission qui puisse exister déjà, voilà. Où on parle de tout. Ouais. Et puis voilà. Exactement, on peut venir ici pour poser toutes les questions au 01 42 48 5000. On peut tester la fidélité de son copain, de sa copine avec le sexy chocolat par exemple. Ça c'est toujours dans l'émission. Et Alison, tu peux choisir la musique, qu'est-ce qui te ferait plaisir ce soir? Alors moi je vais écouter le nouveau Guetta avec Showtech. On s'est ambiancé tout l'été avec ça. David Guetta, Showtech, Your Love. On fera plaisir à Alice aussi ce soir. Born to be yours, 01 42 48 5000. Et ça fait plaisir, hein. Vous êtes très nombreux déjà à nous appeler. On va accueillir Zoé, elle a 24 ans, elle nous appelle de Montpellier. Bonsoir Zoé. Bonsoir Karel, bonsoir Alice, bonsoir Doc Pavageau. Bonsoir Zoé. Salut. Ah, tout de suite, elle le chauffe. Direct. Hein. Bonsoir Doc Pavageau. Hein, j'ai vu ta tête sur Instagram. Ah, elle a raccroché. Comment ça va Zoé? Ben ça va maintenant que vous êtes revenu et qu'on va pouvoir passer tous les soirs ensemble. Eh ben ça fait super plaisir d'être avec vous. Zoé, toi tu nous appelles pourquoi? Alors moi je vous appelle parce que j'ai un bon gros coup de gueule. Ouais. Alors je vous explique, je suis partie en vacances, hein, un peu comme tout le monde je pense. Je suis partie en vacances en Grèce avec deux, trois copines à moi. Et en fait en revenant, donc je suis revenue il y a trois jours de vacances. Et en revenant, donc j'ai voulu faire un câlin assez torride à mon chéri. Et il a remarqué que j'avais la poitrine bronzée. Donc il en a déduit que j'avais fait du topless. Ouais. Et bah, il m'a fait toute une scène parce que monsieur n'est absolument pas pour le topless. Donc moi j'ai envie un petit peu de pousser ma gueulante. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous les filles on n'a pas le droit de bronzer seins nus? Pourquoi vous avez le droit d'être torse nu même dans les rues et que nous on n'a même pas le droit de montrer un bout de téton? Ça y est, ça choque, c'est pas possible. Ah, c'est normal. Enfin, mais n'importe quoi. Mais je suis tellement d'accord avec c'est toi. C'est normal. Non mais alors après je sais pas ce qui est normal ou pas normal. Moi je sais que si ma nana elle fait du topless et tout, ça me fait chier que les autres mecs puissent voir ses seins. Bah, oh là, ça tu, va. Tu vas pas lui mettre une burqa quand même. Non mais je sais bien, mais c'est pas loin. Non mais je sais pas pourquoi, mais moi j'ai un délire. Hein. Moi je suis un adorateur des seins. Hein, j'aime les petits seins, les grands seins, les petits mamelons, les gros mamelons, en forme de poire. Non mais vraiment. Et ça m'embête si ma copine fait du topless. Mais si on est sur une île déserte, y a pas de problème. Non mais ça va, enfin, franchement c'est pas la fin du monde. Il t'a dit quoi exactement ton mec? Il t'a pété un scandale? Comment il a réagi? On la rappelle Zoé parce qu'on a eu un petit problème de ce temps. Elle est avec nous, Zoé. Oui. Est-ce que tu as entendu la question d'Alice?
Non, parce que du coup, ça a raccroché. Il y a des soucis, je crois, au standard. Oui, c'est le standard. Ma Corentin va être viré, de toute façon. Eh bah, ben, ça fait plaisir, c'est mon premier jour. Au bout de 10 minutes, le mec nous fait déjà un premier raccrochage à la gueule. Bravo, Coco. Je te demandais, Zoé, comment avait réagi ton mec? Enfin, il a pas quand même pété un câble? Il a vraiment, vraiment mal pris à ce point-là? Ben ouais, quand même assez. Enfin, vraiment, il m'a dit non, mais comment ça se fait? J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, moi, je pensais pas qu'il allait bloquer là-dessus, surtout. Enfin, on était en train de faire un câlin. Et il me dit, non, mais t'as bronzé les seins à l'air, ça va pas, t'étais pas avec moi, t'étais avec tes copines. Enfin, je suis sûre que les mecs, ils te regardaient. Enfin, il a commencé à se monter la tête, quoi. Vraiment, il pensait qu'à la limite, je serais même allée voir ailleurs. Mmh. Ah oui, carrément. Juste pour ça. Ouais. Il est jaloux, en fait. Ah ouais, bah là, c'est même plus de la jalousie, là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la jalousie, c'est un manque de confiance en soi. Donc, tu peux lui renvoyer ça. Écoute, garçon, si t'as pas confiance en toi, bah, c'est ton problème, à toi de le régler. Moi, je sais que je peux aller me balader les seins à l'air. Voilà, ça veut rien dire sur le fait d'aller voir ailleurs. Ça n'a strictement aucun rapport. C'est pas parce que tu te balades les seins à l'air que tu vas voir ailleurs. Enfin, c'est complètement idiot. Ah mais bien sûr, après, c'est... Si ça protégeait de l'infidélité, ça se saurait. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est-à-dire que nous, on galère tellement pour voir vos seins, les filles, que... Enfin, voilà, profitez-en, quoi. Justement. Là, je pense que ton mec, Zoé, c'est l'effet de groupe qui l'a fait un peu flipper. Il s'est dit, vu qu'il n'était pas là pour vérifier. Et puis, quand t'imagines quand même une brochette de filles de ton âge, seins nus sur la plage, ça fait quand même rêver. Et forcément, il devait y avoir des mecs qui vous mataient, c'est sûr. Mais... Ah oui, après, effectivement, bah, hein, c'est la pas, nature. C'est maté, mais après, enfin, voilà... c'est beau à regarder. Voilà, on a des yeux, c'est fait pour regarder. Bah, maintenant, oui. J'ai pas vraiment compris sa réaction. Enfin, c'est pas pour ça qu'on touche. Bah, c'est ça, lui quand il est torse nu sur la plage, les filles elles le regardent aussi, hein, et pourtant enfin, je lui fais pas toute une scène. Non, mais alors, bravo, c'est très bien de ta part en tout cas. Alors, justement, il y a pas mal de mecs ici dans ce studio qui regardent les filles topless sur la plage. Cassim. Oui, c'est la base. Il y a une meuf qui se balade seins nus devant toi, tu vas regarder, c'est logique. Et tu peux même te toucher un peu le bout de la main. Mais même une daronne mais... Genre la nana, elle a 70 ans, tu vas la mater quand même? Bah, franchement, oui, c'est pour l'expérience. Tu sais que voilà, ta meuf, aujourd'hui, elle a des beaux seins. Plus tard, tu sais à quoi ça ressemblera. Tu te dis comme ça, plus tard, ce serait comme ça, quoi. De toute façon, c'est pas parce que tu regardes le menu que tu manges. Eh non. Absolument. Ça. Enfin, et Coco du standard Non, moi, je mate pas les seins. Ouais. Par contre, je mate le cul. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Mais... Petit string en dentelle, moi, ça me fait kiffer. Ah ouais, on parle sur la plage. Ah, je suis pas du tout sur la plage, j'étais dans ma chambre. Là. Ah d'accord. Okay. Ah bah oui, bah non, sur la plage. Non, ça marche pas. Alors, dites-nous justement si vous êtes un petit peu comme le mec justement d'Alison. Vous avez déjà été en couple avec quelqu'un qui bronzait seins nus et vous n'acceptiez pas. Hein, ou au contraire, vous avez carrément été du style à mater tout ce qui bouge. N'hésitez pas à venir nous dire là, 01 42 48 5000. On aura aussi Alison qui va pouvoir agir, notre auditrice du soir. Tu fais du topless toi, Alison, hein? Ah non, pas du tout. Ah, tu nous expliqueras pourquoi toi tu ne fais pas de topless, justement parce qu'il y a aussi des filles qui nous écoutent et qui font pas de topless. Ah bah justement, oui. Parce que elles assument peut-être moins leur corps. Ou elles ont pas envie. Ou elles ont pas envie. Bah oui, t'as pas forcément envie de te montrer. Puis non. La marque, des fois, c'est sympa aussi. Absolument. Nous lançons le débat ce soir. 01 42 48 5000 et dans un instant. Un artiste français qu'on adore, c'est Dadju. Très heureux d'être avec vous. Nouvelle saison Love in Fun, 22h minuit tous les soirs. Merci beaucoup d'être avec nous, à tout de suite. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Du sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun. 01 42 48 5000. 22h minuit sur Fun Radio. Tous les soirs, Love in Fun sur Fun Radio au 01 42 48 5000. C'est le numéro de téléphone pour nous appeler. Nouvelle saison de Love in Fun. Nouveau doc. Oui. Doc Pavageau, le beau gosse. Hein. N'hésitez pas à aller mater parce qu'il y en a plein qui se sont posé la question. Mais à quoi il ressemble et tout, le nouveau doc? Elle est plutôt beau gosse, ça me fait bien chier. Non mais n'hésitez pas, on est filmé tous les soirs, Fun Radio. Tu verras à mon âge, ça se trouve, tu seras mieux que moi encore. Alors tu sais quoi, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit, plus je vieillis et plus je me bonifie. Oui, enfin jusqu'à un certain âge je pense. Voilà, c'est ça. Quand même, limite, Merci Alice. Alors attention, ce soir, nouvelle saison, forcément des nouveautés dans l'émission. Et un nouveau jeu. Oh oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir, nous allons inaugurer un nouveau jeu qui s'appelle l'exam. Dès ce soir, il suffit de vous inscrire là dès maintenant au standard au 01 42 48 5000 pour passer l'exam Love in Fun et gagner
le pack fun de la rentrée. Le bon gros cadeau qui fait plaisir. Le principe, il est super simple. Vous allez être deux auditeurs sur l'antenne et vous allez vous affronter sur des thématiques de l'émission, des thématiques de Love in Fun, notamment la sexualité. Mais pas que. Ah, ça peut être également des questions sur nous ou, si, oui. ou sur ce qui s'est passé dans l'émission. Pas facile. Donc ça veut dire qu'il va falloir tout écouter. Hein, et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire là au standard au 01 42 48 5000. Vous repartirez avec votre diplôme de l'examen Love in Fun et le pack fun de la rentrée. C'est ça. Et pour certains, c'est peut-être le seul examen de toute votre vie, alors c'est le moment de nous appeler. C'est bien pour ça que Kassim va s'inscrire. Ah oui, j'y vais, j'appelle tout de suite. N'hésitez pas et vous entendrez ça là tout à l'heure dans l'émission au 01 42 48 5000. En attendant, on parle de topless sur la plage. C'est vrai que c'est l'été, c'est encore les vacances, tout le monde profite ou pas. Hein. Bon courage à ceux qui ont repris le boulot. Et c'est Zoé qui nous a appelé de Montpellier, qui fait du topless et son mec ne l'accepte pas. Et c'est ce que tu nous as dit, Doc, c'est une question de jalousie. Quoi. Ah oui, voilà. Ça, pas confiance en lui, donc forcément, il doute de tout. Peur qu'un mec puisse certainement voler sa copine, mais pour ça, il faut quand même que sa copine soit d'accord. Donc, c'est qu'il n'a pas confiance en lui, parce que elle, il doit savoir quand même qu'elle ne va pas y aller. Donc, Bah bien sûr. Et ça, Zoé, il faut bien que tu le comprennes et que tu en parles avec ton mec. On a Roxane qui nous appelle pour réagir. Bonsoir, Roxane. Bonsoir toute l'équipe. Salut. Bonsoir Roxane, bienvenue dans Love in Fun. Alors, est-ce que tu fais du topless l'été? Non, absolument pas. Justement, explique-nous pourquoi toi tu fais pas de topless. Je suis trop complexée. Oh, c'est un truc de fou. J'ai une grosse poitrine, hein, je fais du 110D. Mais alors, j'ai une belle poitrine, je m'en plains pas, mais je complexe à l'idée que tout le monde puisse la voir comme ça sur la plage et tout. Ah non, j'ai trop peur du regard des autres. Mais en fait, je comprends ça. Ouais, ça peut se comprendre, mais en fait, t'es pas fière de la poitrine que t'as. Elle te gêne plutôt, c'est ça? Oui, enfin, j'en ai pas honte, je mets des décolletés et tout, mais l'idée d'être en bikini et de la montrer et tout... Ça me bloque totalement, quoi. Pourtant, c'est dans la nature. La nature t'a faite comme ça, avec des formes généreuses. Bien sûr. C'est magnifique. Oui. Bah oui. C'est sûr. Non, mais je sais pas, ça me gêne. Mais... C'est la peur du regard de l'autre. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire du regard de l'autre? Oui, en théorie, c'est facile à dire. Oui, mais... je sais bien, je sais bien. Ouais. Alors moi, je n'ai pas posé la question à Alice. Tu fais du topless, toi? Oui, mais en fait, ça dépend des circonstances. C'est-à-dire que, par exemple, cet été à la Baule, j'ai pas fait beaucoup de topless parce que, genre, j'étais un peu en famille, tu vois. Ouais. Genre, il y avait mes parents, il y avait des cousins, des trucs comme ça. Je me voyais pas me foutre en topless devant mes cousins. Mais j'ai vu des tas et des tas de filles en topless. Mais genre, des bandes de filles de bonasses de 25 ans qui étaient là, en train de sous la douche des plages, mais genre, hyper canon en topless. Ça se fait de plus en plus. Et tout le monde disait avant, c'est toujours les moches qui enlèvent le haut. Bah, je suis pas d'accord. C'est intéressant ce que tu dis. Toi, tu fais du topless, mais à la boule, en famille, c'était pas possible. Bah, et j'imagine que. Enfin, t'imagines, tu sais, t'as des auditeurs de Love in Fun qui fantasment sur Alice et qui la voient en topless sur la plage de la boule. Eh bien, figure-toi qu'en fait, il y a un jour où je l'ai fait. Et le lendemain, je ne l'ai pas refait parce que j'ai croisé des auditeurs à Pornichet. Et on a fait quelques photos, des trucs comme ça. Et je me suis dit, oh putain, si je les avais croisés en mode topless, je n'aurais pas fait la fière. Mais je le fais, mais que quand je suis genre, tu vois, soit entre copines, soit avec mon mec. Je le ferais jamais si j'étais avec mon mec et des potes à lui, par exemple. Tu vois, ça, je n'oserais pas lui imposer ça. C'est ça. Tu le fais quand tu le sens. Oui, quand j'en ai envie. Et je ne fais pas en fonction des autres, quoi. Vraiment en fonction de moi. Les filles que tu as vues, elles le font parce qu'elles l'ont senti naturellement comme ça. C'est ça. Voilà, faut le sentir. Après, effectivement, l'auditrice, elle ne le sent pas. Bon, bah, elle ne le fait pas. Ça va peut-être venir un jour. Petit à petit, tu vas te décomplexer, trouver que ta poitrine, finalement, elle est normale. Il y en a d'autres comme la tienne. Et puis, bah, un jour, on le fait. Bah bien sûr. Alors, oui, peut-être. Ou pas. Mais oui, ou pas. Il y en a jamais. Qui le font jamais. Si tu le fais pas parce que t'es bien comme ça. Bah. Tant mieux. Ouais, il n'y a pas d'obligation, clairement. Voilà. Noémie, 26 ans de Versailles aussi veut réagir. Salut Noémie. Salut, ça va? Salut. Ça va bien et tout. Je t'ai croisé en topless cet été ou pas, toi? Je suis pas sûre, j'étais un petit peu timide. Ah, tu fais pas de topless, Noémie? Alors, moi, je vous explique. Donc, moi, j'étais avec un compagnon pendant 3 ans qui m'a rabaissée physiquement, psychologiquement, etc. Donc, il était hors de question que je fasse du topless, puisque moi, à l'inverse de la demoiselle qui est passée avant moi, là, moi, j'étais complexée, mais dans le sens inverse. Je trouvais que j'en avais pas assez. Donc, pas assez. Et puis, comme on ne disait jamais que j'étais belle, ben, le sentiment a fait que je me sentais de plus en plus moche. Donc, comparé aux autres, bah, je ne voyais pas, je ne pouvais pas étaler ma poitrine, on va dire. D'accord. Et puis après, bah, j'ai. Non, du tout.
du tout. Et en fait, à l'inverse, après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre avec qui ça a duré 2 ans. Et lui, à l'inverse, m'encourageait totalement à faire du topless. Alors, à l'inverse de la première auditrice, moi, il fallait que je fasse du topless. D'accord, parce qu'il était fier de montrer les seins de sa copine, quoi. Oui, en fait, il voulait que plus j'étais sexy, en fait, et pour lui, plus c'était valorisant. Et si les hommes me regardaient, il était fier parce qu'il disait que c'était lui qui était dans mon lit, quoi. Mais est-ce qu'il te forçait est-ce que tu te sentais forcée de le faire? Alors, je ne l'ai pas fait, parce que je n'avais pas encore assez confiance en moi, etc. Et après, qu'ils me disent que j'ai une belle poitrine, etc. Bon, on n'est plus ensemble depuis presque un an. Et cet été, ça y est, j'ai franchi le cap. Voilà. À poil, plus besoin de lui. Voilà, allez. À son comme ils sont. Exactement. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour assumer son corps, Doc? C'est un long apprentissage en général, mais ça passe effectivement souvent par les relations avec un partenaire qui nous valorise. Dire, mais non, mais t'es belle, mais tu peux, etc. Si malheureusement tu tombes sur un mec totalement jaloux qui dit c'est hors de question, tu le feras jamais, bon, tu vas avoir plus de mal à passer le cap. C'est quand même un truc à deux aussi, c'est sûr. Mais bien sûr, alors, c'est vrai que ce soir vous apprenez à découvrir un petit peu notre nouveau Doc Pavageau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait du nudisme au Cap d'Agde. c'est vrai ça, Doc? Pas du tout. Ah bon? Pas du tout. J'ai pas encore. J'ai pas lu la bonne biographie. Oui, c'est ça. Je sais pas laquelle c'était, mais. Écoute, j'oreille. C'est peut-être dans mes projets. Il va falloir que j'y pense. Mais je pensais t'avoir croisé. Bonne idée. Je pensais t'avoir croisé. Mais écoute, je me suis trompé. Ah, Alison, notre auditrice du soir, on t'a pas entendu là-dessus. Tu nous as dit, toi, pas de topless. Hein. Absolument pas. D'accord. Et pourquoi c'est rédhibitoire? Qu'est-ce qui te fait peur? Bah, déjà, je peux pas. Oui. Et ça m'attire pas du tout. Enfin, j'estime que c'est juste à la personne dans mon lit qui doit voir mes seins et pas quelqu'un d'autre. Enfin, pour moi, c'est comme si j'étais avec mon copain et qu'il allait montrer ce qu'il a dans le caleçon devant tout le monde. Non. D'accord. Ok. Ouais. C'est intéressant aussi. Hein. Oui, c'est ta valeur, c'est ce en quoi tu crois. Ça se respecte. Mehdi veut réagir. Mehdi, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mehdi. Salut. Bonsoir. Est-ce que tu es un amateur des plages? C'est-à-dire? Tu fais les plages de long en large et tu regardes. Non, moi j'ai des yeux comme tout le monde et j'aime bien que les yeux des autres se pointent pas sur les seins de ma copine. Ouais. J'ai ce genre de réflexe comme tout le monde, je pense, et je trouve ça normal. Mais alors justement, donc tu laisses ta copine faire. Enfin, tu la laisses, elle fait non, ce qu'elle non, veut. Non, mais... non, c'est le contraire. Peut-être qu'ils ont mal compris au standard, mais moi, pour le coup, je suis contre le topless. Et je suis choqué quand j'entends les arguments de vous tous à la radio, quasiment, en disant que c'est une question de complexe, que si on assume son corps, alors on peut le montrer à tout le monde. Ah non. J'aimerais savoir si on a envie. C'est seulement si on en a envie. Oui, si on a envie, ouais. Mais du coup, moi, je suis là en train de me dire, c'est quoi pour vous la pudeur, du coup? Où est-ce que vous pensez qu'on doit s'arrêter? Et pourquoi, si on enlève le haut, on peut pas enlever le bas non plus? Dans ce cas-là, où est-ce que vous trouvez que la limite, il faut la poser sur ce qu'une femme a le droit de montrer aux autres ou pas? Une femme qui a envie de montrer son corps tout entier et qu'elle le montre si elle en a envie. Mais si son copain, il en a pas envie, pourquoi il n'a pas le droit de pas en avoir envie? C'est ça que je comprends pas, en fait. En fait, la pudeur, Mehdi, c'est propre à chacun. C'est-à-dire que tu parles d'enlever le haut ou d'enlever le bas. Il y en a certains qui enlèvent le bas parce qu'ils ont envie de le faire. Nous, on n'est pas en train de dire que tu peux enlever le haut uniquement si tu acceptes ton corps et celles qui ne le font pas sont complexées. Ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. On dit juste que si tu as envie de le faire, tu le fais pour toi et pas pour les autres et pas parce que quelqu'un t'interdit de le faire. Et la pudeur, elle est là. Et tu vois, chaque personne a ses limites. Par exemple, moi, dans certains domaines où je le dis, j'ai de la pudeur avec certaines personnes, mais quand je me sens en vacances seule, tu vois, avec mon mec sur une plage et je me sens avec pas trop de monde, et ben j'ai la liberté d'enlever le haut. Et c'est pas pour ça que j'ai pas de pudeur dans la vie de tous les jours. Faut juste respecter. C'est pas une question de ça, c'est pas forcément le fait d'enlever le haut, c'est les réactions autour. Quand le mec dit que ça le plaît pas, après, bon, il a un peu pété son câble, le mec. Oui, c'est ça. C'est juste que tu peux dire. Mec qui dit à ta meuf, en gros, ah ouais, tu te mets en topless, normal. Et qui pète un câble, en gros, parce qu'il a quand même le droit de le dire à sa copine, attends, j'ai pas envie que tu te mettes en topless sur une plage. Il a le droit de le dire, bien sûr. Mais il n'a pas à lui imposer ce qu'elle a à faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est une conversation. Mais c'est un dialogue avec. Après, ouais, c'est à elle de faire ses choix. Si elle trouve qu'un mec qui lui demande de pas faire du topless parce qu'il veut pas que tous les mecs de la plage matent ses seins. C'est compréhensible de sa part. Si elle trouve ça inadmissible, c'est à elle de. Enfin, si elle est prête à.
je veux dire, à s'embrouiller avec son mec pour ça, parce qu'elle a quelqu'un qui a envie de la garder pour elle un minimum et pas de déballer tout ça à tout le monde. Oui, mais dans ce cas-là... C'est les réactions autour, en fait. Elle aura aussi le droit, dans ce cas-là... Comment reprocher à un mec d'être un minimum possessif, un tout petit peu encore en 2018, un minimum. Bien sûr, tu peux l'être. Pour moi, c'est minimum syndical, en fait. C'est pas un souci, mais elle est, dans ce cas-là, elle aussi en droit de dire bah, « Écoute, garçon, toi, tu mets un t-shirt quand t'es sur la plage. » C'est juste voilà. Un équilibre. C'est une discussion à avoir. C'est une discussion à avoir. C'est envie, ouais. Mais moi, je défends son mec. Il n'y a pas de règle prédéterminée. Pour moi, c'est normal. Et quand je vois des filles en topless, des fois, je me dis « Putain, elles n'ont pas peur. » Quand, je sais pas comment s'appelle l'animatrice, elle disait qu'elle aimait bien se mettre en topless quand il n'y avait pas trop de monde. Mais peur de quoi? Oui, c'est ça. Mais dis peur de quoi? De quoi je devrais avoir peur? De mecs qui vont me sauter dessus parce qu'ils ne sont pas capables de... En gros, tu m'avais dit quand je suis avec mon mec au bord de la plage et qu'il n'y a pas trop de monde. Oui. Tu m'as précisé, il n'y a pas trop de monde. C'est que c'est important pour toi quand même qu'il n'y ait pas trop de monde. Parce que pourquoi c'est important pour toi qu'il n'y ait pas trop de monde si tu assumes ton corps? Et qu'il n'y a pas de problème. Tout simplement parce que, comme on le disait tout à l'heure, tu vois, je peux me retrouver sur la plage avec un auditeur que je connais qui me prend en photo, qui m'envoie une photo comme c'est déjà arrivé. Heureusement, ouais, heureusement j'étais pas topless. Mais si t'étais quelqu'un de lambda, mets-toi à la place d'une meuf lambda. Ah bah, j'ai toujours fait. J'ai longtemps. Je suis encore fait, quelqu'un de lambda. Conversation, Mehdi. Hein. Écoute-nous, on t'écoute, on essaye de hein. Ouais, je suis quelqu'un de bavard, je t'écoute. Il n'y a pas de souci, c'est bien que tu nous aies appelé justement pour donner ton point de vue. Tu as droit d'être possessif, mais ne reproche pas aux gens qui ne le sont pas, tu vois. Chaque couple trouve son équilibre. Après, c'est une discussion entre les deux, tu vois. Il faut trouver un accord qui fait en sorte que, bah, finalement, ça dérange ni l'un ni l'autre. Chacun faire un pas vers l'autre. Bah, je ne veux pas que tu te mettes topless, d'accord, je le comprends, mais dans ces cas-là, est-ce que tu veux bien quand on n'est que tous les deux, quand personne ne me voit, tu vois. Trouver un équilibre en fonction juste des envies de chacun. Tu ne peux pas juste arrêter de vivre parce que ton mec est jaloux et possessif. Et à l'inverse, une fille... C'est sûr, tu caricatures un peu ce que je voulais dire, en fait. Bah non. Je vois ce que tu veux dire. Dans tous les cas, le compromis, c'est la base. Dans tous les cas, il faut. Voilà. Mais bien sûr, une discussion à deux. Madame Langordon, dans tous les cas, ils ont rien à faire ensemble sur ça. Bah, mais voilà. Merci. Mais la façon dont on on va dire, on caricature la posture du mec qui a pour moi un comportement un minimum normal. Quoi. C'est juste ça ce que je voulais dire. Normal pour toi. Normal pour toi. Peut ne pas être normal pour l'autre. Normal pour moi. Bien sûr. Il y a des mecs qui acceptent que leur nana soit topless, qui s'en foutent mais royalement. Il y en a qui sont contents et fiers. Ouais, carrément. Il y en a qui n'acceptent pas. Et à ce moment-là, oui, il faut en parler avec sa chérie. Il y a de tout. Il y a même des mecs qui aiment regarder leur femme se faire prendre par un autre homme. Donc évidemment. Non mais évidemment que. Hommes ne sont pas hyper possessifs comme on peut le croire. Ah, c'est fantastique, faut présenter cette personne-là. Mais merci à tout le monde, en tout cas, c'était un débat animé ce soir. Ouais. Avec Zoé, Roxane, Noémie, Mehdi, merci. À tout le monde, on vous fait des gros et bisous. Et Alison, bien sûr, mais Alison, elle reste avec nous, c'est notre auditrice du soir. Et dans un instant, nous allons accueillir Lucie, 21 ans, d'Orléans. Bonsoir Lucie. Salut Karel, salut Ali, salut le nouveau doc. Salut. Alors Lucie, avec toi, on va faire un sexy chocolat. Oui. Vas-y, raconte, qu'est-ce qui se passe. Parce que l'heure est grave. Bon, en fait, je suis avec mon copain depuis un an et demi. Et là, il m'a dit qu'il était parti en vacances avec ses potes, mais je le crois pas trop. D'accord, donc ça se trouve, il est pas du tout en vacances avec ses potes et peut-être avec une autre fille, c'est ça? Oh, tout de suite. Bah, ça se trouve, je psychote, il est vraiment avec ses potes. Mais depuis qu'il est parti, j'ai plus de nouvelles, en fait. Ah oui, donc, bah si t'as plus de nouvelles. Tu m'étonnes. Bah, et on va l'appeler et on va tester sa fidélité dans un instant sur Fun Radio. Restez bien avec nous. En attendant, on écoute David Guetta, Showtech, Your Love sur Fun Radio, Love in Fun. Oh. A-t-il vraiment des sentiments pour vous? Sexy chocolat. Sexy chocolat. Love in Fun s'occupe de votre couple sur Fun Radio. Tous les soirs, du dimanche au jeudi, 22h minuit, c'est Love in Fun sur Fun Radio. On est en Facebook Live. Oui. Sur le Facebook de Love in Fun et le Facebook de Fun Radio. N'hésitez pas. Salut à tous ceux qui sont connectés. Hey. On fait des gros bisous. J'embrasse fort les filles. Le nouveau doc est ici. Ah oui. Parce qu'il y en a peut-être qui viennent de nous rejoindre. Tu vois, j'ai entendu dire, il y a un nouveau médecin. Il est comment? Il est beau. Il est beau, il est avec nous. Il est sexologue. C'est ça. Alors, Doc Pavageau, tu connais bien cette émission? Oui. Oui, alors, j'ai l'impression que non. Oui. Alors, attention, top à la question. Doc Pavageau, ici on peut tester la fidélité de son mec ou de sa nana. Comment s'appelle la rubrique? Sexy chocolat. Bravo, Doc. On peut l'appeler. Bravo.
en même temps. Je l'avais dit il y a 30 secondes. Là. Alors, effectivement, sexy chocolat, ça intervient à tout moment. On a gardé le sexy chocolat pour cette nouvelle saison parce que vous l'adorez. Et, à votre demande, ouais. Et vous en avez surtout besoin. Ouais. On a Lucie qui est avec nous, 21 ans d'Orléans. Bonsoir Lucie. Salut tout le monde. Salut Lucie, comme beaucoup de personnes cet été, tu as peut-être été trompée, mais tu ne le sais pas. Oh, c'est horrible. Ah bah, c'est vrai. C'est bien une période. Mais moi, c'est tout ce que je te souhaite, pas vraiment. Hein. Et Lucie. Après, je picote souvent et c'est pas la première fois et je sais que tout était réglo. Donc là, ça se trouve, je m'inquiète encore pour rien. Mais oui, t'es une parano. Quoi. Alors, explique-nous pourquoi ce soir tu es inquiète et pourquoi tu veux qu'on l'appelle pour le tester. Bon, en fait, j'ai mon copain avec qui je suis depuis un an et demi, qui est parti en vacances avec ses potes depuis lundi. Mmh. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. C'est la première fois qu'il part avec ses potes ? Bah non, il était déjà parti, mais il était peut-être resté un jour ou deux sans donner de nouvelles, mais jamais autant, quoi. C'est après, énorme. Je peux comprendre qu'il est avec ses potes, qu'il veut avoir un peu d'espace, tout ça. Mais là, oui, ça commence à faire beaucoup, quoi. Un an et demi que t'es avec ton mec, l'autre il te donne pas de nouvelles pendant une semaine. Mais on dirait qu'il t'a ghosté quoi, donc, presque. Donc c'est vraiment chelou là. Donc là, on va encore dire que je psychote pour rien, mais au bout d'un moment on est d'accord qu'une semaine c'est louche. Ça, c'est bizarre. Bah oui. Carrément. Et donc il s'appelle Renaud, c'est ça ? Donc là il est en vacances ? Oui. Ok. Bon, oui. Bah, je vais l'appeler. Je vais lui proposer d'offrir des chocolats érotiques à la personne de son choix. Normalement, il va donner ton prénom. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. J'espère qu'il a juste un problème avec son téléphone, je ne sais pas. Bah, t'as pas réussi à le joindre. Bah, même quand je l'appelle, en fait, il répond pas. Ou alors des fois, d'accord, je tombe sur la messagerie. Okay. Ça se trouve, il est mort. Donc, oh, mais non, on ne sait pas. Mais on ne sait pas. Arrêtez, ça se trouve, c'est super grave. Mais non, mais c'est vrai. On peut s'attendre à tout. Et il nous a peut-être quittés. Non, mais une semaine sans nouvelles, c'est dingue. Moi, j'aurais trop peur. J'aurais retourné tout le monde. Quoi. Et franchement, je pense que t'as raison. Je préfère qu'il soit mort qu'il soit avec une autre. Oh, mais non, mais dis pas ça. Oh. Ah non, tu dis pas ça. Alors, on va l'appeler. On va savoir. Alors, t'as appelé ses potes aussi, juste. T'as appelé ses potes aussi. Non mais ses potes, je peux pas les encadrer de toute façon parce que eux ils sont toujours eux c'est les mecs qui s'en foutent de tout, ils prennent les meufs pour des connes tout le temps. Donc voilà, c'est ça en plus, s'il est avec eux, il peut être grave influencé, ça se trouve. Bah, Lucie, on l'appelle tout de suite, on compose son numéro de téléphone, c'est Denis Chon qui va l'appeler. Il a passé retour. Ah bah il a passé des belles vacances. Ça m'étonne. Son homme au Cap d'Agde justement. Ah bah je suis contente de vous retrouver. Double personnalité le mec. Ah, ça me fait plaisir. Allô ? Oui, allô ? Oui. Oui, bonsoir, pourrais-je parler à Renaud, s'il vous plaît ? Et moi, pourquoi ? Oui, bonsoir, c'est Denis Chon, la chocolaterie Sexy Chocolat, je vous dérange pas ? Non, c'est quoi ce bordel ? Alors, je vais vous expliquer. Alors, je sais qu'il est un petit peu tard, hein, je vous appelle... Oh, j'ai déjà cette heure-là. Alors, je vous appelle en fait parce que vous avez gagné un cadeau, d'accord ? Alors, moi, en fait, je représente une boutique qui s'appelle Sexy Chocolat. On est basé dans la France entière. Et comme vous avez gagné un petit cadeau, c'est pour ça que je vous appelle. En fait, ce qu'on vous propose, écoutez bien attentivement, cher Renaud, c'est d'offrir pour 50 euros de chocolat érotique à la personne de votre choix. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous avez gagné, vous, et que vous allez pouvoir envoyer à l'élu de votre cœur. La personne qui partage peut-être votre vie. Vous avez une petite amie ? Bah oui, pourquoi ? Eh bah voilà. Eh bah écoutez, vous allez lui faire plaisir. On va lui envoyer des chocolats érotiques. Comment ? C'est des conneries. Ah pas du tout, pas du tout. Alors je sais qu'il est un petit peu tard et tout. Ah, nous, on travaille jusqu'à 23h. Hein. On est ouvert, on fait la nocturne. C'est nouveau, cette année. Vous vendez des chocolats jusqu'à 23h ? Alors, absolument. Alors, le concept des chocolats, ce sont des chocolats érotiques, voyez, en forme de sexe, par exemple. Il y a ce qu'on appelle des chouquéquettes, plein de petites choses chocolatées, des huiles de massage aussi, pour pouvoir masser votre partenaire. Tout ça à base de chocolat. Et on fait un carton. Hein, et pour se faire connaître, c'est une idée de notre patron, en fait, d'offrir comme ça des packs chocolat. Vous avez une petite amie, vous m'avez dit, vous savez quoi, vous ne prenez pas la tête, vous allez me donner son prénom, son adresse, ses coordonnées. Je raccroche ou pas ? Mais pas du tout, parfait, mais raccrochez pas. Mais qui Du chocolat ? Bah, c'est quoi, c'est gratuit ? C'est quoi, c'est payant ? C'est vous êtes... quoi ? Ah ben bah, attendez, vous êtes... Non, c'est gratuit. Vous êtes avec votre petite amie ? Oui. Ah ben bah, voilà, c'est super. Elle s'appelle comment ? Mélanie. Très bien. Bah, écoutez, je suis très content d'offrir des chocolats érotiques à Mélanie. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble ? Bon, ça fait 6 mois maintenant. Ça fait 6 mois. Et vous êtes parti en vacances avec elle, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. Ah bah voilà qui va faire plaisir à quelqu'un.
Je sais pas. Bah si. Tu veux des chocolats ? Je vais vous passer ma patronne, d'accord ? Pourquoi votre patronne ? Bah, parce que je vous passe ma patronne, elle a des choses à vous dire, je pense. Je vous passe Lucie. Ouais, non, tu fais ma gueule là ou quoi ? Oh putain. Non, mais tu fais ma gueule. En plus, c'est Mélanie, la pote de Kevin, là, c'est ça ? Lucie ? Bah vas-y, maintenant, ouvre ta gueule. Bah oui, c'est moi, tu veux que ce soit qui d'autre ? Oh putain. Vas-y, et là, je suis censé attendre. Non, mais vas-y, là, tu sais pas, c'est sérieux ou quoi ? T'es là et tu me dis que t'es quoi ? T'es en vacances avec tes potes, et là, je prends quoi ? T'es avec une meuf. Et en plus, t'es avec l'autre pute, là ? Mais t'es avec qui, toi, là ? Moi, je suis tout seul, je suis pas une grosse putain comme toi, tu vois. C'était qui avant, là ? C'était qui avant ? Là, t'es en direct sur scène radio, mon pote, et tu viens de passer devant pour un connard. En direct sur scène radio. Bonsoir, Renaud. Ouais, t'es en direct dans... Tu viens de faire foutre un gros fils de pute. Non, c'est pas vrai. Et tu crèves bien, tu sais quoi que... Non, c'est pas vrai, tu te fous de ma gueule, là, ou quoi ? Moi, je suis là, je t'appelle, je t'envoie des messages et tout, depuis une semaine, j'ai pas de nouvelles, tu trouves ça normal ? Oh putain, je suis grillé. Ah bah, mais j'hallucine. Ah, c'est pas possible. Oh putain, je suis grillé. C'est quoi ce mec, sérieux ? Vas-y, maintenant, ouvre ta gueule. Bon, alors, je vais juste t'expliquer, Lucie, on comprend ton désarroi. Renaud, Renaud, écoute-moi bien attentivement. Tu es en direct sur Fond Radio dans Love in Fun. Je m'appelle Karel, Alice. Il y a Doc Pavageau qui est là également. Et oui, effectivement, Renaud, tu viens de te faire piéger dans le sexy chocolat de Love in Fun parce que Lucie nous a appelé, nous a expliqué. C'est quoi, tu peux crever ta mère ? Tu récupères toutes tes affaires, passer par la radio, quoi. Mais tu sais quoi, le connard dans l'histoire, c'est pas moi, c'est toi, t'es une grosse putain, les baisers, les premières meufs qui arrivent. Et ça fait 6 mois que t'es avec elle. Donc en fait, la dernière fois, comme d'habitude. Ouais, tu te fais remarquer. Du coup, c'est comme d'habitude, mec, t'es un gros fils de pute, tu veux quoi ? Je m'en fous, là, tu sais quoi ? Mais quand tu reviens de vacances avec ta grosse putain, là, tu viens, tu reviens toutes tes affaires. Franchement, c'est une salope à faire ça. Eh, Lucie. C'est moi la salope. Et Renaud, tu respectes Lucie ? Oui. Tu lui parles pas comme ça. À passer par la radio pour faire. Apparemment, elle avait besoin de ça. Elle avait besoin de ça pour avoir ta franchise. Au téléphone, j'ai pas d'autre choix, donc maintenant, t'as bien niqué ta mère. Renaud, elle avait des gros doutes. Voilà, elle était mal, elle était angoissée, pas de réponse. Il y a un moment donné, bien évidemment, qu'elle a envie d'avoir des réponses. C'est un peu normal de lui répondre. Je sais pas si c'est une connerie aussi, mais je suis sur fond de radio. Je sais pas. Bon, en direct. Attends, ouais. Baisse. Passe-la nous, ta copine, on va lui expliquer. Ouais. Alors, Renaud, est-ce que tu es d'accord pour rester avec nous pour avoir une explication ? Je pense que c'est au moins minimum que tu peux donner à Lucie ce soir. Une explication tête à tête avec. Oui, avec Lucie. Bon, on va reprendre Lucie de toute façon dans un instant. Ouais. On prendra des nouvelles de Renaud. Il y a sa petite copine qui est là aussi, juste à côté. Elle n'aura pas de chocolat, dis-lui. Elle peut aller se faire foutre. Lucie, tu restes avec nous, d'accord ? Bon, on n'aura plus Renaud qui vient de raccrocher, ce qui peut se comprendre, mais on va essayer de le rappeler quand même. Dans un instant, des nouvelles de Lucie. Et bien sûr, Doc, tu vas lui parler pour la rassurer là quand même. Lucie qui est dans tous ses états. Et... Ça va aller, Lucie ? Non, ça va être compliqué. C'est difficile. Bon, on va te reprendre dans un instant. Lucie qui reste avec nous, 01 42 48 5000. N'hésitez pas à nous appeler si vous voulez réagir. Ultra chaud ce soir, sexy chocolat. Et on va revenir avec Clean Bandit dans 3 minutes. Vous bougez pas, les amis, c'est Love in Fun jusqu'à minuit. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. Love in Fun. Love in Fun. De 22h à minuit. Avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Here we go. C'est la rentrée de Love in Fun ce soir. Alors nous, on est là désormais tous les soirs du dimanche au jeudi de 22h à minuit. Je m'appelle Karel, Alice est là bien sûr. Salut. Et Doc Pavageau, notre nouveau doc que nous avons découvert ce soir, qui répond à des interviews sur l'Instagram de Fun Radio, je crois, hein, oui. sur la story. J'ai entendu parler de ton son préféré, c'est ça ? Ouais. Donc si vous voulez connaître le son préféré de Doc Pavageau, allez-y, c'est surprenant. Ouais. Et pas que, il a tranché concernant un débat dont tout le monde parle, qui est quand même le pain au chocolat chocolatine. Donc si vous voulez savoir comment il appelle ça, rendez-vous sur la story de Fun Radio. N'hésitez pas, moi je vais voir. Je vais voir. On a notre auditrice du soir qui s'appelle Alison, elle a 21 ans, elle est du Mans. Tout va bien, Alison ? Tout va bien, tranquille. Bon, alors, toi, t'étais là. Si vous venez de nous rejoindre, vous avez raté un truc. On a assisté à un drame dans le premier sexy chocolat de cette nouvelle saison. Ah oui. Puisqu'il y a eu tromperie en direct. Lucie nous a appelé. Elle a 21 ans, elle est d'Orléans. Comment ça va, Lucie ? Bah,
Ça va. Bon, alors ça va. Mon mec vient de me tromper, mais c'est cool. Ça va doucement. Alors je vais résumer pour ceux qui n'étaient pas là. Lucie nous appelle et nous dit voilà, ça fait un an et demi que je suis avec mon mec, tout se passe bien. Sauf que là, il est parti depuis une semaine, j'ai plus de nouvelles. Il est avec ses potes et on l'a appelé. On lui a proposé d'offrir des chocolats érotiques à la personne de son choix. Et le mec, qui s'appelle Renaud, n'était pas du tout avec ses potes. Il est avec une nana avec qui il est depuis 6 mois. Voilà où on en est. Il y a eu une confrontation. On a tout expliqué à Renaud, qui a quand même décidé de rester avec nous, sachant qu'il y a la petite copine qui est à côté. Hein. Renaud. Ouais, je suis là, je vous écoute. Ok, Renaud. Alors, vas-y, détends-toi. Renaud. Tu veux que je me détende, mais t'es sérieux, mec? Là, t'es en train de baiser une pute et après, tu te fais à moi de me détendre. T'as qu'à ouvrir les yeux. C'est 6 mois. Là. Alors, justement, Renaud, pourquoi t'en es arrivé là? Pourquoi est-ce que tu l'as trompé? Il y en a un qui respire trop dans son téléphone. Alors, je pense que c'est Lucie. C'est... Mmh. Ah, Lucie, je comprends que tu puisses marcher et tout machin. Et c'est quand même juste... Ah, c'est Renaud. Alors, Renaud, je comprends que tu sois énervé. Hein, parce qu'on t'anime. Tu n'as aucune excuse. Reste dans un coin, arrête de bouger. Voilà. Enfin. Alors, Renaud, qu'est-ce que tu peux dire ce soir à Lucie sans rentrer dans des insultes ou quoi que ce soit? Enfin, je veux dire, à un moment donné... J'ai pas d'explication à donner, là, franchement... T'as pas d'explication, mais ah t'es bon. Un gros connard. Tu me trompes avec une meuf depuis 6 mois et t'as aucune explication à me donner. Là, je suis sur le cul. Là. T'étais vraiment. Ouais, mais tu fais bien ta radio, quoi. T'as pas c'est honte, moi qui ai trop difficile, mais sérieux. Non, c'est toi qui devrais avoir honte de me tromper. Non, c'est toi qui as honte de faire ça dans la radio, franchement. Toute la France t'entend, là. Mais toute la France voit surtout que t'es un gros fils de pute, mon pote. Renaud, je pense que là, le débat qu'il y a va être un peu stérile, ça ne va pas amener à grand-chose. Nous, on est là pour essayer de comprendre. De toute façon, c'est tout vu. C'est oui, tout a priori, ça a l'air d'être tout vu. Mais oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment est-ce que pendant 6 mois, tu dis rien, tu es avec quelqu'un d'autre sans rien lui dire du tout, à Lucie? J'ai pas d'explication, j'ai pas de... Voilà, ah, si, fait, quand même. C'est comme ça fait 6 mois et... Comment t'en es arrivé là? Elle a bien vu, je réponds pas au téléphone, de toute façon, c'est rien de... Oui, non, mais on n'agit pas comme ça avec quelqu'un. Mais c'est normal que mon mec ne me réponde pas au téléphone, quand c'est un an et demi ou dans le temps, mec, t'es sérieux? Tout le monde compte, je sais pas, tu me réponds quand je t'appelle ou quand je t'envoie un message, une semaine, sans rien. Pourquoi n'avoir jamais rien dit avant? C'est pas... Franchement, non, j'ai pas... Bah, si t'es avec quelqu'un d'autre, a priori, c'est que t'es amoureux. Hein, normalement, c'est un peu ça. Par conséquent, si t'es amoureux de quelqu'un d'autre, tu peux, par respect, dire à la personne d'avant, écoute... Non, bon, je suis parti avec Mélanie, elle a rien vu pendant 6 mois, t'as même pas rien vu. Renaud. T'as même pas le courage de t'expliquer, tu veux quoi? Franchement, j'ai pas vraiment... Tu peux comprendre, Renaud. T'as juste rien à dire là. Alors, continue à fermer ta gueule. C'est quoi, continue à fermer ta gueule? Renaud, maintenant que tu t'es fait griller et maintenant que Lucie est au courant, comment est-ce que toi tu réagis par rapport à Lucie? C'est-à-dire que là, de toute façon, tu voyais votre relation comme étant terminée. T'es un peu soulagé quelque part? T'es énervé? De toute façon, qu'elle reste dans son coin, à faire des trucs débiles là, enfantins là, à la radio. Il faut arrêter. Mais comment c'est possible que tu puisses agir comme ça? Mais non, Renaud, ça c'est pas le problème, ça. Renaud, c'est pas là la question. C'est pas qu'elle fasse des trucs débiles en passant par la radio. Elle t'a mis devant le fait accompli. Si elle l'a fait, c'est parce qu'elle avait besoin. Parce que t'as pas donné de nouvelles pendant une semaine, ce qui ne se fait pas. Et en plus, c'est pour apprendre que t'es avec quelqu'un d'autre. Donc, un minimum de respect quand on est avec quelqu'un, c'est quand même de dire bon, écoute, bah voilà, je suis désolé, mais c'est fini, je suis avec quelqu'un d'autre. Voilà, ça n'est pas lâche. C'est être adulte et responsable. Alison, notre auditrice du soir, Alison, qu'est-ce que t'en penses, toi, ma chérie? Ah bah, moi, je pense que c'est qu'un gros con. Ah voilà, j'en entendais pas moins de ta part. Hein, on est dans la simplicité. Hein, on est dans la conclusion. En attendant, Renaud, là, pour le coup, écoute, je pense qu'il va falloir être clair avec Lucie, hein, vraiment. Ou laisse-la tranquille, quoi, maintenant, c'est bon. Ouais, à la limite, tu sais quoi, t'arrives pas à être clair, t'arrives pas à être honnête. Elle a le courage de donner ses excuses ou quoi que ce soit, elle a aucun répondant. Le mec, le seul truc qu'il a à dire, c'est que je suis une gamine parce que je passe par son radio. Voilà. Il a répondu ton téléphone. Il retourne. C'est pas ça qui parle.
Il retourne la situation. Il est probablement très limité. Alors laisse tomber avec ce mec-là. Franchement, passe à autre chose parce que de toute façon, tu n'auras pas gain de cause. Il est bête. Voilà. Il a raccroché. Voilà. Sinon, j'aurais dit à Renaud, surtout, essaye d'être plus franc avec la prochaine. Ouais. Bah, écoute, il n'y arrivera pas. Non, à mon avis, ce n'est pas gagné. En attendant, Lucie, on est vraiment, vraiment, pour le coup, vraiment désolé que ce soit passé comme ça. Et j'espère vraiment que tu vas réussir à. Oui, bien sûr. À affronter ça, quoi. Parce que c'est jamais évident. Non, c'est un mauvais cap à passer. Ouais. Bon, maintenant, t'es mis face à la réalité. C'est la réalité que tu craignais la pire. Bon, mais c'est celle-là. Au moins, maintenant, tu la connais et tu vas pouvoir prendre ton temps pour rebondir et trouver quelqu'un de nettement mieux que celui-là. Bon. Carrément. Ça prendra du temps, bien sûr. On va te rappeler très vite, comme on le fait tout le temps dans cette émission, pour prendre tes nouvelles. D'accord, Lucie ? Ok. On te souhaite bon courage et essaie de te rapprocher de tes amis. Là, envoie-leur des messages. Il faut que tu appelles quelqu'un, là, d'accord ? Oui, prends soin de toi. Oui, fais-toi du bien. Oui, je vais faire ça, ouais. T'as dit quoi, Lucie ? Elle va faire ça. Oui, d'accord. Je vais faire ça. Ok. Bon, on te fait des gros bisous. En tout cas, on te rappelle très vite. Salut, Lucie. Bisous. Gros bisous. Courage. Ciao, Lucie. Ah, ça me fait trop de peine. Grave. Ah, ouais. Elle est vraiment pas bien et c'est vraiment pas cool. Et en plus, il a super mal réagi. Donc, il est atroce, il retourne la situation comme si elle devait culpabiliser, donc c'est ridicule. Hein. Voilà. Bon, alors, nous allons changer d'ambiance dans un instant, puisque nous allons jouer à un nouveau jeu. Oh. Ah oui, c'est ça la magie de cette émission. Et Hugo est avec nous, 20 ans de Paris. Bonsoir Hugo. Bonsoir Karel, bonsoir toute l'équipe de FUN. Bon, bonsoir Hugo. Bonsoir Johanna, 25 ans de Strasbourg. Salut Karel, salut Ali, salut le nouveau doc. Salut. Hugo et Johanna, dans un instant, vous allez passer l'examen Love in FUN. Vous êtes prêts ? Okay. Ouais. Bah oui, de ouf. Oui. Et dans un instant sur Fun Radio, vous allez découvrir un nouveau jeu. On va vous tester un petit peu sur les thématiques de Love in Fun, sur ce qui s'est passé dans l'émission. Vous restez bien avec nous, c'est à découvrir après Dennis Lloyd, Nevermind sur Fun Radio. Tous les soirs, 22h minuit. Love in Fun. Sur Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio et bonne soirée à tous. Merci d'être avec nous. Ah ouais. Merci, hein. Un petit loupé. Et bon début. Ah bah non, il est 23h. Bon début de soirée. Bon début. De nuit. Il n'est pas 21h. Non, il est 23h, c'est vrai. Ah bah oui, on a des automatismes du 20h-22h. J'ai envie de vous souhaiter un bon début de soirée. Bon appétit à tous. Bon début de nuit. C'est pas mal ça. Bon début de nuit à tous. Et merci de nous écouter sur Fun Radio. Vous êtes nombreux à la maison en train de nous écouter. Il y en a aussi qui sont sur les routes. Merci beaucoup d'être avec nous. N'hésitez pas à réagir, poser vos questions toute la soirée. On a un nouveau médecin, Doc Pavageau, qui est avec nous depuis 22h au 01 42 48 5000. Et ce soir, on inaugure un nouveau jeu. Ah. Ah bah oui, on a travaillé tout l'été pour vous trouver des nouvelles rubriques. Et je crois que celui-là, on l'a trouvé ce week-end. Hein. Sur une idée d'Alice, ce soir, nous allons procéder à notre nouveau jeu qui s'appelle l'examen. Et pour jouer avec nous ce soir, nous accueillons Hugo, 20 ans de Paris. Bonsoir Hugo. Bonsoir tout le monde et franchement ça fait plaisir de vous retrouver là pour la rentrée, c'était génial. Nous aussi ça fait plaisir de se retrouver. Alors Johanna est avec nous, bonsoir Johanna. Salut. Hugo, Johanna, Hugo. Enchantée Johanna. Salut, enchantée. Alors le principe il est super simple, c'est deux auditeurs qui s'affrontent sur des thématiques abordées dans l'émission. Comme le sexe, par exemple, mais pas que. Ah, non. Ça peut être aussi des questions sur ce qui s'est passé dans l'émission, sur nous aussi. Vous apprendrez peut-être beaucoup de choses dans cette émission. Et alors, ce soir, Hugo et Johanna, vous inaugurez ce nouveau jeu, l'examen. Est-ce que vous êtes prêts ? Bah oui, ready. Alors, dès que je pose une question, vous ferez votre buzzer personnel. Hugo, quel sera ton buzzer ? Bah. Hommage au doc, Pavageau, j'ai crié Pavageau ce soir. Pavageau, très bien. Quand tu penses avoir la réponse, tu cries Pavageau. Et Johanna, c'est quoi ton buzz, toi ? Bah moi, je vais jouir. Je vais jouir. Tu peux nous faire un petit buzz ? Oh putain, j'adore. Oh, super buzzer. Ah ouais, non, j'espère que Johanna va gagner. Allez, c'est parti. Le premier qui buzz peut donner sa réponse. Et bien évidemment, droit de réponse pour le deuxième. Attention, première question, quelle est la position préférée des Français ? Pavageau ! La levrette ! On attend. Elle a tout gâché. Johanna, j'ai entendu Hugo d'abord. Hugo, c'est quoi ? Le missionnaire ? Mauvaise réponse. Johanna, tu penses à quoi ? La levrette. Bravo ! Un point pour Johanna. Il te l'avait soufflé en plus, elle te l'avait soufflé Hugo, t'es nul. On apprend des choses. J'ai pas entendu. Deuxième question, le lieu le plus utilisé pour faire l'amour ?
Johanna. Le lit. Le lit, ça ne marche pas. Hugo. Le canapé. J'ai dit le lieu le plus insolite pour faire l'amour. Non, t'as dit le lieu plus utilisé. Attention, je me suis trompé de question. Alors, donc... Johanna a eu réponse, c'était le lit. Johanna a la bonne réponse. Eh ouais. Johanna a la bonne c'est réponse. C'est toi qui t'es loupé. Eh oui. C'était le lit. Je pensais au lieu le plus insolite, mais pas du tout. C'était le lieu le plus utilisé pour faire l'amour parce que le lieu le plus insolite, c'est la cabine d'essayage. Eh oui. Voilà. Troisième question. Comment appelle-t-on l'acte bucco-génital pratiqué par une femme ? Mais tu dis n'importe quoi. T'arrives pas à lire les questions, enfin, Carrel. Comment appelle-t-on l'acte bucco-génital pratiqué sur une femme ? Pavajo. Un kinilingus. Bravo, bonne réponse. Bonne réponse. Et il s'appelle Hugo. Hein. Ah oui, non, mais. Je sais qu'il s'appelle Hugo. Pavajo, à toi, Pavajo. J'ai dit Pavajo. Je sais bien que c'est pas Dutch. On y va pour la quatrième question. 2-1 pour Johanna. 2-1 pour Johanna. À quel âge atteint-on sa majorité sexuelle ? Johanna. Pavajo. Johanna. 15 ans. 15 ans, c'est une bonne réponse de Johanna. Ça fait combien au niveau du score, Alice ? 3-1 pour Johanna. Voilà, tu te fais exploser, Hugo. Ouais, cinquième question. À quel moment de la journée les Français font-ils le plus l'amour ? Pavajo. Le soir ? Mauvaise réponse. Mauvaise réponse, Hugo. Oh. Johanna ? Il a dit quoi ? Il a dit le soir. Il a dit le soir ? Le matin, la nuit. Non, tu en dis qu'un seul. C'est le matin ou c'est la nuit ? Le matin. Bonne réponse de Johanna. Ouais ! Bravo Johanna, j'adore t'entendre jouir. Alors, c'est parti pour une nouvelle question. Qu'est-ce que le dirty talk ? Alors là, je ne sais. Non mais il faut buzzer. Hein. Ah, mais ils savent pas. aucun des deux ? Pas de réponse possible, je sais pas. Hugo ? Non. Ah, okay, Hugo, tu veux être ma petite salope. Voilà, c'est ça le dirty talk. Hein, oui, c'est le fait de parler un peu crûment au lit. Quoi. Voilà, voilà. Ah, oui. J'accepte avec plaisir, Karel. Oh putain, merde. Septième question. La phobie la plus courante. Hein ? Oui, Johanna. Les araignées ? L'arachnophobie, pas du tout. Hugo ? Pavajo, le vertige, la peur du vide. Pas du tout, c'était la claustrophobie. Voilà. Ah voilà, vous êtes tous nuls. Alors, huitième question, quelle est la spécialité de Doc Pavajo ? Ah mais attendez, sans déconner. Si même toi tu gueules pas Pavajo ? Alors ? Bah le sac. Il faut jouir, Johanna ? Oui, alors quelle est la spécialité de Doc Pavajo ? Le sexe. On va dire oui, ouais, il est ça. Sexologue. C'est ça, c'est un spécialiste du sexe. Un petit tour du côté des scores. Bah alors écoute, de toute façon, quoi qu'il en soit, il ne reste plus qu'une question. Hugo a une seule bonne réponse et Johanna en a cinq. Donc quoi qu'il arrive, Johanna a gagné. Bravo Johanna ! Bravo ! C'est notre première gagnante de l'examen Love in Fun, Johanna. Qu'est-ce que tu veux dire à tous tes fans ? Je les aime. Eh ben bravo, félicitations. Hugo, t'es un loser, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu redoubles ? Bah ouais, je suis ravi déjà de vous avoir parlé, c'est déjà bien. Eh ben bravo à toi Hugo, sache que tu peux redoubler et tu pourras revenir quand tu veux pour passer ton examen, d'accord ? Eh ben avec plaisir, c'est gentil. Salut Johanna, salut Hugo, salut. Bravo à vous. Salut, bonne soirée. On va vous envoyer l'examen et le pack Love in Fun de la rentrée. Nous allons accueillir Valérie, 26 ans, de Périgueux. Bonsoir Valérie. Bonsoir toute l'équipe. Salut. Comment tu vas Valérie ? Ça va, et vous ? T'as passé des bonnes vacances ? T'es encore en vacances ou pas toi ? Ah non, moi je travaille moi. Là, ah toi bah tu oui. bosses là en ce moment. Bon courage ceux qui bossent. Mais là t'es en train de travailler là en ce moment là ou pas là ? Non, là c'est mon jour de repos aujourd'hui. Et bah cool. T'en profites en plus pour un appel à l'aide dans un instant. Pourquoi t'as besoin d'aide Valérie ? J'ai mon ex-conjoint qui me refuse de partir de la maison. Ah oui, ça peut être embêtant ça. Le squatter. C'est ça. C'est-à-dire que le mec, tu l'as quitté, mais il est toujours dans ton lit. On va être refusé de partir de la maison. Ah oui, ça peut être embêtant ça. Faire ça comme ça, ouais. D'accord, tu vas nous raconter l'histoire. Et est-ce qu'on aura la possibilité peut-être de lui parler directement, puisqu'il est, j'imagine qu'il est pas loin.
Mais normalement, vous avez son numéro de téléphone. Ah bah super. Coco voilà. Du standard, il me régale. Il a bossé, Coco. Hein. Coco du standard. J'ai les deux. Hein. Ah bah, j'ai voilà. Portable et fixe, mon pote. Ah, ouh là là. On pensait qu'on n'allait pas te garder. On est en train de changer d'avis, Coco. Je suis content. Hein, et voilà. Et bah, restez bien avec nous. Dans un instant, l'appel à l'aide. Valérie qui n'arrive pas à dégager son mec. Pourtant, elle lui a dit que c'était fini. Dans un instant, sur Fun Radio, on va l'appeler en direct. Et on va en plus revenir avec Kaigo, Imagine Dragons. C'est le nouveau Born to Be Your sur Fun Radio. Réagissez à l'émission sur Twitter. Hashtag LovinFun. 01 42 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc Pavageau. LovinFun. 20h, 22h. On est tellement content de vous retrouver. Vraiment, ça fait vraiment super plaisir. J'espère que tout va bien. Vous passez une bonne soirée. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Alors nous, nouvel horaire. Hein. Tous les jours, du dimanche au jeudi, 22h minuit, Love in Fun sur Fun Radio. Et nouveau Doc Pavageau qui est avec nous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Doc devait partir en vacances. Mmh. Hein, tu avais prévu tes vacances pour fin août. Ouais, tu voulais aller à Los Angeles. C'est ça. Et t'as décidé d'annuler tes vacances pour être avec nous. Bah oui. Ça va? Ouais. Bon, en fait, ça va. Remue le couteau dans la plaie. Là, voilà, en fait, Doc est dégoûté d'être ici. Mais non. Bien sûr que non. De toute façon, il m'a tout dit. Il m'a dit, tu sais, moi je suis venu ici pour pécho. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Doc ne m'a pas dit ça, bien évidemment. Mais Doc, t'es célibataire. C'est ça. D'accord. Pour l'instant. Bah pour l'instant, voilà. Là, tout de suite maintenant. Là. D'accord. Et tu vis comment? Tu vis comment toi? Je vis comment? Ouais, j'essaie de te faire d'amour et d'eau fraîche. D'accord. Mais tu vis où avec qui? Ouais. Tu vis où toi? Moi, je vis à Paris. Au-dessus d'un McDo, il a dit. Ouais, c'est ça. Tu bouffes beaucoup McDo? Non, j'évite. J'essaye de pas y aller justement parce que j'habite au-dessus, parce que sinon c'est l'horreur. Tu m'étonnes. Et tu habites avec quelqu'un? Ouais. Ah ouais? C'est qui? C'est qui? Non, tu veux les coordonnées Non, pas du tout. Non, mais c'est... Oh, tu viens en coloc, il va le dire ou quoi? Putain, c'est dingue. Voilà, c'est ça. Il faut bien que je te fasse mariner un peu. Ah bah, tu es en coloc? Ouais. C'est génial. C'est hyper funky. Ouais, ça fait longtemps. Ouais. T'es un doc en coloc. Ouais, c'est bien ça comme titre, non? Ah bah on apprend des petites choses. On pourrait faire ça. Le doc en coloc. On apprend des petites choses, bien sûr, sur notre nouveau doc. Et tu vas le découvrir, peut-être c'est ta première fois de l'appel à l'aide, c'est maintenant. Please help me! On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. Et oui, ce soir, notre doc n'arrête pas de se faire dépuceler. Hein, c'est sa première fois. Sa première fois d'appel à l'aide. Valérie est avec nous. Bonsoir Valérie. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir Valérie. Salut. T'as 26 ans, t'es de Périgueux. Je te présente notre auditrice du soir. Elle s'appelle Alison. Elle a 21 ans, elle est du Mans. Enchantée. Voilà, elles se disent bonsoir. Non, pas Alison. Mettez-la à l'antenne, les copains. Merci. Merci. Voilà, Alison, Valérie, Alison. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Alors Valérie, explique-nous pourquoi tu as besoin d'aide ce soir. Alors voilà, j'ai rencontré un homme il y a 10 ans. Bon, il m'a ramené son ex à la maison. Il m'a frappé 3 fois. Monsieur ne s'occupe plus de moi. Donc, au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je suis partie. Bah, je lui ai demandé de partir parce que du coup, c'est chez moi. Ouais. J'ai déménagé, sauf que le problème, c'est qu'il s'est incrusté à la maison et est incapable de m'en défaire. D'accord. Mais il t'a frappé, t'as dit? Ouais, il m'a frappé pour son ex parce que j'ai mis Léo là avec son ex parce que elle appelait le soir, le matin sur les coups des minuit 1h, parce que c'est même plus le soir, c'est le matin, ouais. Pour lui dire que son nouveau mec l'a frappé et tout, sauf qu'au bout d'un moment, bon, c'est bon quoi. Une ex, c'est une ex, quoi. Ça reste à sa place. Ouais, ouais. Sauf que le problème, c'est que quand elle l'appelait, lui partait de la pièce et il allait se cacher en fait pour éviter que moi j'entende la conversation. Ce qui peut, à la rigueur, se comprend. Enfin, ça peut être intime, ça. Il y a peut-être des choses à dire. Bon, ça, c'est pas... Mais tu disais, t'as déménagé, toi? Oui, moi, je suis partie, en fait. D'accord, donc t'as décidé de le quitter. Et il t'a suivi? Ouais, c'est ça, en fait, il s'est incrusté à la maison, donc bon... Comment il fait ça? Eh bien, en fait, il est arrivé avec ses affaires, ses chiens, bah, son chien, ses animaux. Et il m'a dit, je reste chez toi le temps de trouver un appartement. Bon, trop conne, hein. Comme on dit, trop bonne, trop conne. T'as accepté parce que j'avais une chambre... Comment? C'était il y a combien de temps? J'ai emménagé au mois de fin mars.
Ah oui, ah oui. Ah, ça dure. D'accord. Et le mec continue de squatter chez toi. Il ne peut plus partir, quoi. C'est ça, sauf que le problème, c'est que lui ne travaille pas. C'est un gros geek, c'est le gros geek de base. Donc, il se lève le matin, c'est PC, il mange PC. Et alors, il y a un problème. Moi aussi. Bah, c'est qu'il squatte. Le problème, c'est que monsieur ne veut pas partir parce que pour lui, bah, il a 36 ans. Il faut savoir qu'il a 36 ans. Ouais. Et il m'a sorti, mais moi, si je pars, j'aurai le droit à rien. Parce que vu que moi je travaille, donc en fait, il me prend pour, limite pour sa mère, quoi. D'accord, mais c'est malsain ce qui est en train de se passer, Doc. Oui, ah bah, c'est sûr que lui, il va pas avoir intérêt à bouger. Hein. Lui, il est bien la maison là. Ça, à un moment donné, je pense qu'il faut être clair, Valérie. J'ai été claire, je l'ai viré plusieurs fois. Sauf que le problème, c'est que bah, à chaque fois, il revient. T'as peur qu'il soit violent avec toi? Parce qu'il a déjà été violent. Ouais, violent. Donc c'est ça, tu as peut-être peur que finalement il fasse l'usage de la force pour te faire accepter sa présence chez toi? Non, même pas, parce que je lui ai dit plusieurs fois que s'il me levait la main dessus, bah, c'était directement lui aller finir six pieds sous terre, parce que bon, au bout d'un moment, c'est bon. Déjà, porter plainte. La police, oui, c'est bien. Ouais, ouais. Ouais. Déjà. Plutôt que de police, le tuer directement. La police, dans la région, il bouge pas. D'accord. Bon, alors si tu nous parce as appelé... Que pour eux, pour eux, vu qu'il n'y a pas de coups, ni blessures, ni quoi que ce soit, ils ne bougent pas. Tu veux dire, tu parles des policiers? Oui. C'est ça. Alors, tu peux quand même déposer une main courante, hein, oui, si tu dis pas de conneries. Au moins, tu signifies que le mec a été violent avec toi. Comme ça, il y aura forcément des antécédents. Après, voilà, c'est quelque chose qu'ils peuvent retrouver. Hein. Donc ça, c'est important de le dire, Valérie. Alors... Tu nous as appelé ce soir pour qu'on lui parle, justement, et qu'on arrive à discuter avec lui. Donc là, j'imagine qu'il est chez toi, là. Oui, c'est ça. Bah, d'accord. Moi, je suis dehors, en fait. Donc, d'accord. Lui est dans la maison. Donc, voilà. Donc, on va l'appeler. On a son portable, on a son... Est-ce que toi, t'as quelqu'un d'autre, depuis? Alors, moi, j'avais rencontré quelqu'un d'autre, sauf que ça n'a pas fonctionné. Ah bah non. D'accord. Ah non. Non, mais à cause de ça. À cause de ça, oui. Évidemment, ça t'empêche d'avancer dans ta vie. Alors, on lui passe un petit coup de téléphone, d'accord, Valérie? Ouais, bah enfin, s'il veut répondre. C'est parti. Alors, on appelle Damien sur son portable. On va se présenter, en fait. On est en Facebook Live, hein, sur le Facebook de Love in Fun, le Facebook de Fun Radio. Salut à tous les connectés. Alors, bon, le portable... Ne décroche pas. On va appeler directement sur ton fixe, Valérie. Ouais, ça marche. Sinon, c'est toi qui nous le passeras directement. Il se permet de décrocher ton fixe, pas de problème ? Ouais, je vais remonter du coup, puis je vais aller décrocher. Ah oui, tu décroches et tu lui donnes le fixe. Ouais. Oui, c'est ça. Super. D'accord. Quelle organisation. Bien évidemment. Nous sommes en direct. Cette émission est incroyable. Ah, mais bien sûr. Incroyable. C'est Coco du Standard qui transpire là en ce moment. On va dire, s'il répond pas. Allez, t'inquiète pas, il n'y a pas de pression. Valérie, tu es rentrée chez toi? Ouais, je cherche le fixe. On l'entend. Nous entendons, ça sonne. Bravo Coco, tu sais composer un numéro. Bravo. Damien est là. Alors, Valérie, t'as décroché? Oui, c'est bon. Oui, tout à fait. Tu peux nous passer Damien? Bah, il vous entend. Ah bah passe-le nous directement, qu'on puisse lui parler, parce que oui, nous ne l'entendons pas. Oui. Ah, bonsoir Damien. Bonsoir. 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 On ne te dérange pas Damien? Pas plus que ça. Pas plus que ça, t'as l'air un petit peu fatigué. On va t'expliquer ce qui se passe, d'accord? Alors, tu es en direct sur Fun Radio. Oui, ça je m'en doutais. Voilà, tout à fait, dans Love in Fun. Je m'appelle Karel, Alice est là. Salut. Et Doc Pavageau, qui est notre nouveau doc. Bonsoir. Alors, Damien, nous t'appelons parce que Valérie nous a appelé ce soir pour nous expliquer votre situation. Elle nous a dit, voilà, avec mon mec, c'est terminé. Sauf que, a priori, mon mec n'a pas compris que c'était fini et il est toujours en train de squatter chez moi. Elle aimerait que tu partes. Ok. Alors, Damien, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Peut-être que toi aussi, tu as des choses à dire. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec elle.
Alors, Damien, j'ai l'impression que tu cherches à raccrocher. Hein, et tu sais, le mec a galéré. Il a galéré à trouver le bouton raccroché. Oh putain, oh putain, je raccroche. Je n'arrive pas. Bon, alors, Valérie. Oui. C'est formidable puisque Damien est toujours à côté de toi. Bah oui. Donc... Bah non, parce que moi, du coup, je suis retournée dehors. Ah bah va. Ah, non, mais sans déconner. Allez, l'un à côté de l'autre. Parce que là, il nous a fait un plan. Là. Hein, toi, t'es dehors et lui, il est au chaud dans ton canapé, dans ça. Ton salon. Quoi. Enfin, il y a un problème. C'est ça, non, tout va bien. Pas, lui est devant l'ordinateur. Alors, je te propose de mettre ton téléphone sur haut-parleur pour qu'il entende ce qu'on a à lui dire. D'accord? Il ne pourra pas t'esquiver. Il y a un super moyen pour le faire partir. Hein. T'arrêtes ton abonnement Wi-Fi, le mec, il va pas faire longtemps. Ah, c'est vrai. C'est énorme. Le souci, c'est que l'abonnement Wi-Fi, en fait, il a attendu que je parte au travail pour le mettre à son nom. Donc, en fait, il a résilié, moi, l'abonnement que j'avais pris. Ouais. Et il a ouvert un autre abonnement à son nom. D'accord. Tu ne serais pas un peu en train de te faire couiller, Valérie? J'ai l'impression. Après, ça se jette à la poubelle. Hein, je dis ça, je dis rien, mais bon. Valérie, est-ce que tu peux te rapprocher de Damien, qu'on arrive quand même à lui parler au moins 30 secondes? Alors, attendez, je remonte à la maison. Ah oui, s'il te plaît. Parce que t'es encore en bas. On parle depuis tout à l'heure pour que tu montes, là, Valérie. Ah, parce que, ouais, c'est ça. Oui, je monte. Non, parce que là, il va être minuit et demi. Heureusement qu'on n'est pas en plein hiver. Je pense que Doc a des choses à lui dire. Oui, bien sûr. Vas-y, arrête de faire ta voix de crooner. Ouais. Allez. Salut. Alors. Allez, c'est parti. C'est bon, il entend. Allez, c'est... C'est pas sympa de nous raccrocher à la gueule, Damien. Hein, on a... On bat les couilles, tu vois. Tu veux que je me casse, ok, je suis en train de... Attends. Il est en train de partir. T'es pas en train de jouer à la nouvelle extension de World of Warcraft? En tant que paladin, écoute-moi. Moi aussi, j'ai été tank sur World of Warcraft. Moi aussi, j'ai fait des raids. Il est en train de faire quoi, là, Valérie? Là, il rallume le PC, du coup. D'accord. Alors, il n'est pas en train de partir, là. Alors, Valérie, est-ce que tu peux avoir une conversation avec lui? Est-ce qu'on peut en être témoin? Ah, conversation? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Doc, pas possible, là. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est difficile s'il ne veut pas parler du tout, ni à nous, ni à elle, et qu'il ne se parle pas. Il participe au loyer ou pas, Valérie? Non, parce que vu que le loyer est à mon nom, donc non. Donc, toi, Pour vous expliquer la situation, c'est que moi, je suis partie donc, d'où on était avant. Il a toujours l'appartement d'où on était avant. Ah bon? Depuis. Ah oui, parce qu'il n'a toujours pas rendu le bail, en fait. D'accord. Bah alors, donc, qui paye l'ancien? Ah, mais personne. Comment ça? Il faut bien que quelqu'un paye, sinon... Non, l'appartement, il n'y a personne qui le paye. Donc en fait, ça s'accumule, les dettes de loyer, ça s'accumule. Il a quel nom? Comment? Il a quel nom, cet appartement? Aux deux noms. Oh là là là. Oh là là, alors, Valérie, ça, il faut ça, que... Mais t'as rendu les clés? Ah ben moi, parce que bon, c'était la mairie qui nous louait l'appartement. Donc la mairie est au courant que moi, je suis partie. Sauf que le problème, c'est que en fait, pour les loyers, c'est aux deux noms. Mais le bail est à son nom, à lui. Et le propriétaire, il dit quoi? Le propriétaire, vu que moi je suis en froid avec lui, pour lui, on est toujours dans l'appartement. Ben oui, forcément, vu qu'il n'a pas les clés en main, dedans. Et vous ne payez pas le loyer qui est à votre deux noms, en fait? Non. Ah oui. Donc là, là, vous allez être en galère financière. Ah oui. Hein, c'est pas possible de continuer comme ça, Valérie. Ça va être ça, la solution. Voilà, donc, en fait, il me fout dans la merde jusqu'au bout. Non, mais pour vous expliquer, moi, je suis à la Banque de France. J'ai plus le droit d'ouvrir de compte. Il faut que tu portes plainte contre ce mec. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a que ça. Il n'y a que la loi qui peut le mettre dehors. Que tu aies des preuves que finalement, toi, de toute façon, tu as des papiers par rapport à ton nouvel appart, que depuis telle date, tu es domicilié à tel endroit, que tu n'as plus rien à voir avec le bail de l'ancien appart, que tout ça. Tu peux aller voir un avocat. Mais oui. Tu peux aller voir un avocat. Il y a l'aide juridictionnelle pour les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus ou qui ont des soucis comme le tien. Il y a l'aide juridictionnelle, ce qui fait que l'avocat, tu ne le payes pas. C'est l'État qui va le payer. Et au moins déjà avoir un avis d'un avocat sur ce que tu peux faire. Déposer
déposer plainte. Bon, je ne sais pas si c'est effectivement la chose à faire, peut-être. Tu peux toujours aller voir la police et faire une main courante. Mais en tout cas, prendre un avocat, au moins. Ça, c'est le minimum, c'est voir un avocat pour savoir ce que tu peux faire. Ouais, t'as besoin de te faire aider, Valérie. Hein. Bah oui, parce que là, il faut le potes, mettre dehors. Tu n'as pas d'autre solution que l'expulsion. Donc, Ah oui, attends, c'est pas possible. Parce que là, à faire traîner cette histoire, vous allez être tous les deux dans la merde. Et toi, plus que lui. Moi, il est bien au courant que. Mais il s'en fout. Oui, mais moi, je ne paierai pas le loyer. Et ça, la trésorerie donc, du 24 est au courant parce que je leur ai envoyé un courrier avec recommandé, avec le nouveau bail que moi, j'ai signé, en leur expliquant depuis telle date que je suis partie de l'appartement, qu'on est séparés, que voilà, je leur ai expliqué la situation. Mmh. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, nous, on vous enlève donc du loyer, quoi. Okay. Mais bon, depuis avril qu'il n'a pas payé, moi, ça fait que je dois payer 2 mois de loyer. Sauf que je lui ai bien dit, et ça c'est bien clair et net, je ne paierai pas le loyer qu'il a pas voulu payer, lui. Bien sûr, sauf que peut-être que tu te retrouveras dans la situation où on te demandera de le payer. Mmh. Et mais ce ne sera pas lui qui te le demandera, ce sera justement la personne qui loue cet appartement. De toute façon, même en dehors du problème d'argent... Le maire où on était avant, parce que c'est lui qui nous louait le logement. Oui. Moi, je l'ai appelé, j'ai appelé la mairie, je leur ai fait des lettres recommandées. Et vu que de toute façon, ils savaient très bien que ça ne marchait plus depuis un moment. Voilà. Bon, en attendant. Donc, moi, il est au courant. Le mec, il est encore chez toi. En attendant, il est quand même chez toi et tu l'as accepté chez toi. Il est venu avec ses bagages et machin et son chien et t'as dit oui. Reprends la clé. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est non. Reprends la clé et dès qu'il sort, tu fermes la porte, tu changes la serrure. Faut changer la serrure. Tu lui fous ses affaires dehors et puis tu passes à autre chose. Solution, faut changer les serrures dès qu'il est dehors. Et puis l'autre solution, c'est voir un avocat pour savoir ce que tu peux faire légalement. Absolument. Si le bail est seulement à ton nom et que tu es la seule à payer ce loyer, tu as le droit de changer la serrure et que tout lui n'ait plus aucun accès à ton logement. Quoi. Alors, on a la police qui nous appelle. Ah, ah oui, la police est avec nous au 01 42 48 5000. N'hésitez pas, si vous voulez venir réagir tous les soirs dans l'équipe là, sur Fun Radio, avec toute l'équipe, 01 42 48 5000. On va accueillir Arnaud. Bonsoir Arnaud. Oui, bonsoir Karel. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Je vais te demander de bien parler dans le téléphone, Arnaud. Oui. Oui. C'est quoi ton matricule? Non, mais parce que. Matricule ni de. Au pire, la ville, Marseille. Ça sera arrêté là. Ah ben, ça fait plaisir de t'avoir, en tout cas, Arnaud. Tu es gardien de la paix? C'est ça. Tout à fait. Alors, on est avec Valérie, t'as tout entendu. Y a un mec qui squatte chez elle. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il faut qu'elle vienne à la gendarmerie et à la police nationale? Elle a besoin de déposer plainte, en fait. Si elle veut le foutre dehors et qu'il squatte chez elle, et il n'a rien à y faire. Donc, elle compose le 17. Elle dit qu'elle s'est prête avec son ex, qui en plus est violent avec elle. Et puis, y a une patrouille qui va se déplacer et sortir de la maison, simplement. Eh ben oui, voilà. Tu entends, Valérie? Oui, oui, mais le problème, c'est que moi, ça, je l'ai déjà fait. Tu l'as déjà fait, et donc qu'est-ce qu'ils ont refusé? Eh ben, ils ont refusé. Parce qu'ils m'ont sorti que tant que je n'avais aucun bleu, que j'avais rien, ben pour eux, ils ne se déplaçaient pas. Quoi. Mais là, ce n'est pas une affaire de coups et violence. C'est pas de violence conjugale. Là, c'est quelqu'un qui squatte chez toi. C'est domicile, tu es chez toi, tu es là sur le bail, il n'y a rien à faire chez toi. Tu veux le jeter de la maison, et ben il a sorti oui, pour eux, vu que moi, je l'ai accepté dans la maison. Pour eux, c'est de mon plein gré, c'est moi en fait. Oui, mais là, tu l'acceptes plus. Ah bah non, parce que voilà, là, c'est bon. Au bout d'un moment, c'est exactement ça la réponse. C'est maintenant, il est chez toi, tu ne le veux plus chez toi, et il veut pas sortir de chez toi. C'est bien ce qu'il faut que tu comprennes, chez toi. D'accord, ok. Tu restes bloqué, toi, t'as l'impression qu'il n'y a pas de solution et que tu dois attendre. À chaque fois, tu dis oui, mais le problème, c'est que. Mais non, il y a forcément une solution. Le mec, il est là, il n'a pas à être là. En tout cas. Ça ne coûte rien d'y aller. J'ai essayé tellement de choses que ça n'a jamais fonctionné et que voilà quoi. Ben change d'appart. Tu rends ton appart et tu lui donnes pas les nouvelles clés. En tout cas, Arnaud, c'est très simple. Va voir une assistante sociale aussi. L'assistante sociale aussi, elle peut faire des choses pour ça. Elle peut t'aider également. Bon, mais je te remercie beaucoup, Arnaud. Ouais. C'est des solutions plus tard, mais là, je vois pas dans l'immédiat. La solution la plus simple, c'est de composer le 17. Il y a une police secours qui se déplace et il le sort de la maison. Il a rien à y faire. C'est un squatteur. Voilà Valérie. Elle prend ses clés, elle met ses bagages devant la porte et il se casse. Mais voilà. Valérie, ça veut dire qu'il faut que tu sois ferme.
Eh oui. Ferme, ferme, ferme. Ah, c'est-à-dire maintenant, t'es un squatter, c'est dehors. C'est tout ça le problème en fait. C'est la fermeté. Je pense que ça le. Oui, s'il te plaît, tu peux partir de chez moi. Non, c'est, tu te casses de chez pas. Moi. Tu prends tes bagages, tu te casses, tu lui prends son PC, tu le mets devant la porte, tu lui prends ses clés, tes clés déjà pour commencer. Et au revoir, bonne soirée. Quoi. Alors, surtout qu'en plus, a priori, il a un appartement qui, ou dans lequel il peut aller, qui ne paie pas. Mais, voilà, ça, il est même pas à la rue. C'est juste, il doit sortir chez elle. Quoi. Voilà, c'est important. Bah, merci beaucoup, Arnaud. C'est vraiment cool d'avoir appelé. Oui. Merci. De rien. Salut Arnaud. Allez, bonne soirée. Salut. Ciao. Et Valérie, donc on va prendre des nouvelles de toi, pareil, hein, très rapidement. En tout cas, tu as plein de pistes et on va te reprendre également en antenne pour faire le point avec toi, d'accord ? Ok, ça marche. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, Valérie. On t'embrasse fort. Salut. Au revoir. Salut Valérie. Bon, et c'est intéressant. Hein. Dites-nous d'ailleurs si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation. N'hésitez pas à réagir. Hein. Tout le monde est le bienvenu ici. 01 42 48 5000. Maxence nous appelle. Il est du Mans. Il a 20 ans. Salut Maxence. Salut Karel. Salut Alice. Salut Doc. Salut. Bonsoir Maxence. Tu nous appelles pourquoi toi ? Alors moi, encore aujourd'hui, je parle avec une fille que j'ai rencontrée dans un camping. Et je suis en couple. Et est-ce que je trompe ma copine ? Parce que tu lui parles ? Ouais. C'est une bonne question, ça. Ah, hein, tu lui parles ou tu dragues ? Ça dépend. Ouais. Et à quel stade on peut parler d'infidélité ? Genre, je lui ai touché les seins. Bah, je l'ai pas trompé. Non. Je l'ai embrassé. Est-ce que je l'ai trompé ? Bah, dites-nous. Dites-nous ce que vous en pensez. Sucé n'est pas trompé. Ouais, ah, ouais, ah bah tiens, c'est intéressant. Grand débat. Grand débat. Ouais. 01 42 48 5000. N'hésitez pas à nous appeler pour réagir. Pour vous, à quel stade vous considérez avoir été trompé ? À quel stade on peut parler d'infidélité ? Ça peut être un petit sexto. Hein. 01 42 48 5000. On écoute Martin Solveig. C'est My Love sur Fun. Du sexe, de l'amour et du fun. 01 42 48 5000. 22h minuit sur Fun Radio. Oui, c'est nous, on est en direct tous les soirs du dimanche au jeudi, 22h minuit. Je m'appelle Karel, Alice est là, bien salut. Sûr. Notre nouveau doc. Hello. Salut, doc. Hello. Doc Pavageau. Wilfried. Oui. Doc W. Ouais. Ça va, doc ? C'est mieux comme ça, ouais. Oui, ouais. Oui, tout va bien. Tout va très bien. Et ça se passe bien. J'espère que tout va bien pour vous aussi de l'autre côté de la radio. Alors, nouveauté dans l'émission, à tout moment, vous pourrez venir nous poser des questions cons. Des questions à la con, parce que vous le savez ici, dans cette émission, il n'y a pas de questions bêtes. Hein? Bah si, parfois il y en a quelques-unes. Ah oui. Et du coup, c'est celle-là. Ouais. Alors, pas de questions bêtes, il y a des questions cons. Des questions surprenantes. Ah, si vous avez, vous pensez avoir une question un peu surprenante, une question à la con, n'hésitez pas à nous appeler. 01 42 48 5000. Vous savez, ici, dans cette émission, on répond à toutes les questions. N'hésitez pas, 01 42 48 5000. En attendant, avec nous, c'est Maxence. Il a 20 ans, il est du Mans. Bonsoir Maxence. Bonsoir à tous. Bonsoir Maxence. Salut. En vacances au camping. C'est ça, ouais. Ah, tu sais qu'Alice a gagné une élection cet été, Miss Camping. Non, bah tu vois, je l'ai même pas gagné alors. C'est pas vrai. Bah, j'ai pas participé enfin. Ah bah, putain. Déjà c'est Miss Mirabelle en région Lorraine. Ah, hein. En plus c'est la période. Ah bah c'est vrai. Oui. Il y a l'élection en ce moment. Oui, c'est en plein dans la période. Et il faut absolument que tu te présentes. Bah c'est déjà passé. Ah, mais j'ai vu ça en Lorraine que récemment là il y avait eu justement la fête de la Mirabelle, tout ça quoi. Eh bah, on embrasse la région Lorraine qui fête toutes ces Mirabelles. Et qu'ils les boivent aussi. Ah bah, mais surtout avec modération. Alors Maxence, je parlais du camping parce que c'est ce qui t'arrive là. T'es en couple toi, hein. Raconte-nous qu'est-ce oui, qui se passe. C'est ça. Bah, si tu veux, je suis parti avec ma copine en camping. Donc on est parti en Charente-Maritime dans un beau camping. Et si tu veux, à la piscine, je discutais avec une fille et le feeling est bien passé. Ouais. Et donc. Plus on allait dans la conversation et plus ça se passait bien, j'étais à l'aise, elle aussi, et on a échangé nos numéros. Et par la suite, on continue à parler, même là, je continue à parler avec elle, mais ça devient de plus en plus hard, quoi. À base de donc, quoi on commence quand même à parler un peu de cul, quoi. Les positions qu'elle préfère, moi, ce que je préfère. Parle bien au téléphone, porter. Maxence. Pardon. Ce que j'aime porter, ce qu'elle aime porter aussi. Ça fait combien de temps que tu es avec ta copine ? Moi, ça fait bientôt un an. D'accord. D'accord. Donc, je ne sais pas si... T'es amoureux ? Ça, c'est trompé. Encore ? Toujours ? Oui, quand même, ouais. Ouais, oui, quand même. Ouais, quand même. T'es sûr ? Bah ouais, jusqu'à maintenant, oui.
Bon. Bah, est-ce que c'est trompé que de commencer à avoir des conversations érotiques avec quelqu'un en tout cas, tu prends le chemin de la tromperie. Hein. J'ai l'impression. Hein, Quand tu te poses la question, c'est que déjà, t'es pas clair. Hein. Ah ouais. Quand déjà, toi-même, tu te dis, est-ce que là, je suis infidèle? Tu vois, là, tu te poses la question, Maxence, c'est que t'as ressenti un truc que t'étais pas censé ressentir pour cette fille-là, je pense. T'as l'impression d'avoir franchi quelque chose, quand même. Si tu nous appelles déjà pour poser la question. C'est la limite. Ouais. C'est ça, ouais, c'est la limite. Donc, à toi, peut-être, de te dire, ok, la limite, elle est là, et je la franchis, et je sais où je vais, ou je la franchis pas, et je m'arrête là. De quoi t'as envie avec elle? Ouais. Est-ce que t'as l'impression d'en savoir un petit peu là-dessus? Savoir cette nouvelle fille, pourquoi y aller? Ça veut dire quand même que tu fais une croix sur tout ce que t'as vécu avec l'autre. Ah oui. Avec la première. Ah oui, mon Maxence. En sachant pas du tout où tu vas aller avec la nouvelle quand même, parce que c'est pas... vous êtes à oui, combien oui, c'est sûr. Ah mais Doc, t'as raison de le dire, parce que quand on est en couple avec quelqu'un, souvent, on se laisse piger par la nouveauté. Tu es en couple, enfin voilà, t'as tes habitudes ronronne. Et tout, ça ronronne un peu, et puis là, tu as une nana qui débarque et tout, c'est frais, c'est nouveau, t'es à fond et tout. Elle a des arguments. Dis donc, tu la connais? Hein, je ne l'ai pas présenté, putain. Et elle a des arguments, c'est vrai. Et c'est le début de la fin, quoi. C'est à partir du moment où tu commences à aller dragouiller à droite à gauche, c'est que ça sent pas bon dans ton couple. Hein. Mais est-ce que Maxence, tu as vraiment eu l'impression de draguer cette fille? Ou bon bah voilà, on s'est trouvé côte à côte, on s'est mis à discuter et puis je sens que là c'est en train de s'emballer et de prendre une direction que j'avais peut-être pas complètement voulu. Tu l'as fait exprès? Non, je reste honnête quand même. Non, j'ai pas fait exprès. Ouais. Mais tu le cherchais. Je cherchais. Vous êtes envoyé des photos de top, de chat Ouais, j'ai eu des photos devant son miroir, en string, la lune. La lune, ok, d'accord. Ah, c'est oui. Joliment dit. Ah oui, mais t'as vu Mars aussi hein, cet été. Hein. Devant miroir. T'as vu l'éclipse. And Uranus. Alors, on va demander à Alison ce qu'elle en pense. Alison, pour toi, est-ce que Maxence est en train de tromper sa copine? Je pense que oui. Pour toi, oui, à partir du moment où il échange des textos un peu érotiques, tout ça Ah bah non, mais même du moment où tu commences à parler ou même à penser à une autre fille alors que tu sais que t'as ta copine... C'est un jeu dangereux. Mais on peut pas quand même dire qu'il y a encore tromperie. Encore. Faut quand même être... On est d'accord. Il faut quand même être clair. Une tromperie, c'est une tromperie. Tant qu'on n'a rien fait et qu'on est même dans un échange de textos, ça peut s'arrêter là. Il peut, Maxence, prendre la décision. Ok, c'est vrai, j'ai franchi la ligne. Non, mais c'est vraiment la première que je préfère. Voilà ce que j'ai construit. Je veux le garder. Je m'arrête là. Ouais, mais finalement, il ne s'est rien passé. Textos, donc, il n'y a pas eu de tromperie. Mais il y a des nudes. Il reçoit des photos de sa lune. Enfin, c'est pas une tromperie. Une tromperie, c'est une tromperie. Mais il ne s'est rien passé. Mais on est proche quand même. On est proche de la trahison, pas de la tromperie. Ouais, là, voilà, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que tu dis, pour Maxence? Pour moi, une tromperie, il y a pénétration ou il y a. Pénétration. Oui, c'est ça, du doigt dans le nez. Ouais. Ah ouais, absolument. Ah non, mais franchement, Maxence, c'était pareil. En fait, il faut juste se mettre à la place de ta copine. Hein. Et imaginer sa réaction si elle apprenait c'est que. C'est ça. Tu reçois des photos de lune. Si tu penses que ça peut la blesser, c'est que tu es quand même en train de la trahir. Voilà, parce que tu trahis la confiance qu'elle a en toi, dans tous les cas. Donc ça reste une trahison. Sauf s'il s'arrête là. Oui, mais là, il basculerait dans la tromperie. Mais là, je suis désolée, entretenir une relation avec une fille, on sait ce qu'ils veulent tous les deux, elle lui envoie des photos d'elle à poil, machin et tout, c'est pousser un peu le truc. Donc ça veut dire quand même que tu t'es mis avec ta copine. Faut que tu sois clair, là aujourd'hui, puisque vous en êtes là à envoyer des photos nues, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Faut vraiment que tu pèses le pour et le contre. Ok, je suis clair, j'arrête avec la première, et puis je vais avec la seconde, ou... Avec la seconde, et puis je reste avec ma première. Faut que ce soit vraiment la vraie question, c'est le moment, faut pas tarder. Moi, pour avoir été trompé par toutes mes copines, franchement, je me mets à leur place, Maxence, t'es un gros salaud. Mais je ne te juge pas. Et vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez dans un instant. Il y a beaucoup d'appels là, au standard. Faut du standard, il y a des appels. Hein. Oui, tiens, on a Romain qui arrive, d'accord. Il est en vélo, il arrive. 01 42 48 5000. Alors, vous l'aurez compris, Coco sera dans l'humour cette année. Hein, il arrive en vélo.
Oui, je suis au Jamel Comedy Club dans le prochain. Voilà, voilà, merci. Voilà, voilà. Et bah, restez bien avec nous parce que de l'humour, il y en aura encore avec Coco du Standard. Et vous tous, 01 42 48 5000 pour réagir. Dites tout ce que vous pensez de la situation de Maxence et de sa copine. Et on revient avec le nouveau Martin Garrix. High and Life, à tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat en tapant Love in Fun Radio. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Hop, 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 hop. Attention. Oh oui, nous avons une question à la con. Ah, ça, c'est nouveau dans l'émission avec cette petite musique sympathique qui donne envie de danser. C'est ça. Bouge tes épaules, Karel, bouge. Bah, je bouge, je bouge. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, dansez chez vous. Si vous êtes en voiture, vous pouvez même danser également. Allez-y. Doc Pavageau danse. Et il danse. Il danse bien. T'as fait des concours de danse, hein, ça Hawaïenne. Se sent. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai que... Notre belle vaïnée. Doc Pavageau aime les chemises hawaïennes. Quand je l'ai vu arriver à la séance photo, je me suis dit, il ose la tenue hawaïenne. Mais c'était Los Angeles, hein. Je partais, j'avais la valise. Et oui, il faut le savoir, il a annulé ses vacances à Los Angeles pour être nous. Avec nous et avec vous tous, vous toutes. Je ne regrette pas. Inaugurons cette question à la con avec Loïc 16 ans de Bourgoin-Jallieu. Bonsoir Loïc. Salut l'équipe, comment ça va? Salut. Salut. Quelle est ta question à la con? C'est une question tout con. Est-ce qu'on peut faire du fromage avec du lait maternel? Ah, mais c'est une bonne question. Du fromage avec du lait maternel, c'est possible ou pas, Sadoc? Je vois pas de contre-indication à ce que ça soit faisable. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit vendable, mais c'est du lait. Donc on peut faire du fromage. Ça doit être techniquement faisable. Eh bien, figure-toi que oui, car j'en achète tous les week-ends. Mais bien sûr. Non, mais j'avais vu ça. Je fais tourner celui de ma copine. Non, mais sérieusement, j'avais lu ça aux États-Unis, je crois. Ils font ça. Ils sont capables de tout. Ah ouais, non, mais c'est. On a vu. C'est un délire. Pourquoi cette question con, Loïc? Quand il y a du surplus de lait, je sais pas. Eh bien, tu fais bien de poser cette question, car oui, ça existe, Alice. Alors, en fait, j'ai trouvé un site qui, depuis, a été fermé, qui s'appelait Fromage de Femmes. Et en fait, les femmes proposaient justement leur lait maternel, qui après était sous forme de fromage, à déguster seule ou accompagnée. Alors, j'ai vu qu'il y avait les yaourts Alice. Il y aura peut-être le fromage Alice. C'est ça. Mais, cheesecake. Exactement, un cheesecake. Super gourmand. Elle a déjà le slogan et tout. Non, mais c'est ça. Avec Alice, c'est super gourmand. Mais on était déjà tombé sur un article, une info, où il y avait une femme qui faisait du pain avec, entre guillemets, sa levure de vagin, quoi. Oh non. Mais non, si. Avec ses miches. Ah, ouais, elle faisait, elle récupérait. Mais c'est parce qu'en fait, elle avait une mycose. D'où la levure. Et bien voilà. Voilà. Loïc, merci d'avoir posé ta question con. Merci à vous. Tu reviens quand tu veux. Je t'envoie un fromage. Gros bisous, Loïc. Salut. Tu gagnes le fromage d'une fleur d'Alice. Et ça, ouais. Ça fait plaisir. Salut, mon Loïc. Salut. Ciao, Loïc. Et on va tout de suite retrouver Maxence, 20 ans, du Mans. Oui. Je le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là il y a quelques minutes, Maxence nous a expliqué sa situation. Il était avec sa copine, tout va bien, sauf qu'il a rencontré une fille dans un camping, alors qu'il était avec sa meuf, hein, dans le camping et tout. Et il a fini par échanger les numéros. Et puis là, ils en sont au stade du sexto, de la photo, devant le miroir, où tu vois sa lune, tu nous as dit. Hein. C'est ça, Maxence, hein. C'est ça, c'est tout à fait ça. Alors, on a posé la question justement sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Alice. On a reçu une petite question de Sébastien, Maxence, sur le hashtag Love in Fun, qui demande si cette fille avec qui tu parles est au courant que tu es en couple. Bah, je pense, parce que dans le coping, il n'y a pas non plus 6 comme moi, quoi. On peut dire ça comme ça, quoi. Donc, elle sait très bien que j'avais une copine, quoi. Ah, elle t'a vu avec une copine? C'est ça, oui, elle m'a bien vu, parce qu'on était tous les deux dans le camping, quoi. Donc, ah oui, okay. À la baraque à frites, on était tous les deux. C'était un message codé, ça. D'accord, donc elle est au courant, donc elle se la joue. Ah oui, enfin, voilà. Je lui ai dit. Okay. Lui ouais, de toute façon, c'est pas son problème à elle en même temps, c'est vrai. Hein. Elle est chaude, hein. Elle essaye de te pécho, quoi, Maxence. Ouais. Bah, il me semble que... Ouais, c'est à toi de savoir ce que t'as à faire, c'est sûr, c'est pas elle. Hein, fidèle ou infidèle, JB, 24 ans de Bretagne, nous appelle. T'es là, JB?
JB. Ouais, salut Karel, salut Ali, salut Docteur Bajo. Salut. JB, t'es où là? T'es pas en Bretagne là? Non, je suis au Japon. Ah oui, il y a un décalage. Oh, ah oui, un Breton là, au Japon, c'est génial. Ah, c'est génial. T'es où au Japon là? À Osaka. D'accord, ok. Eh ben, sois le bienvenu. Et que tu fous ici là, alors que t'es en vacances au Japon. J'adore. Bah, j'écoutais Love in Fun sur l'application. Mais il est quelle heure en plus, la JB? What time is it? Ah pardon, non, c'est pas japonais. Il est quasiment, il doit être 6h30, 6h45 du matin. C'est ça. D'accord, ben bon réveil à tous au Japon. Et merci de nous écouter. Alors JB, qu'est-ce que t'en penses toi? Infidélité ou pas infidélité là? Bah, je pense qu'à partir du moment où tu as quelqu'un d'autre en tête et que tu penses plus à cette personne qu'à la personne avec qui tu es, il y a infidélité. Hein. D'accord, moi je suis assez d'accord avec toi. Tu vois, mon histoire de pourquoi je suis au Japon, c'est que je suis un peu comme Maxence. En fait, je suis parti en vacances au Japon l'année dernière, où ça s'est très bien passé, et j'ai rencontré une fille dans un temple japonais. On s'est juste échangé des regards dans les premiers instants, jusqu'à après échanger notre Facebook, et on ne s'est pas quitté alors que j'avais ma copine qui est en France. Ok. Donc, ça a été chaud. Enfin, c'était surtout des questions, savoir qu'est-ce que je voulais pour mon avenir, pour mon futur. Voilà. Parce que c'était quand c'est même la vraie fille, question. Avec qui où j'ai eu un coup de foudre. Donc, on sentait qu'il y avait quelque chose. Et t'es resté au Japon, donc on imagine bien que... Non, je suis rentré en France pour faire des choses proprement et dire à ma copine française comme quoi, voilà. C'était fini. Ah ouais. Oui, t'as fait un vrai choix. Tu t'es posé la vraie question. C'est exactement pour ça que Doc te l'a dit, Maxence, il va falloir te poser la question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et répondre assez rapidement à cette question parce que tu vas forcément en décevoir une des deux. Oui. J'ai qu'une chose à faire, d'en parler avec ma copine. Oula ! Ou part au Japon. Mais je trouve que JB... Ouais, c'est bien au Japon, hein. JB, Alice. JB, c'est drôle, ça n'a rien à voir, mais j'ai la sensation que tu parles français avec un accent japonais. J'étais avec ma copine. Ah, mais c'est vrai. Japonais, donc. Mais tu sais, genre comme involontairement, c'était drôle. Ouais, le début, tu sais, ça faisait un peu accent. Enfin voilà, c'est tout. T'as un petit accent nippon. Je parle tous les jours en anglais, mais bon, après, c'est possible. Ah, c'est possible, tu vois? T'as entendu? C'est possible. C'est possible. Arigato. Arigato, JB. Merci beaucoup, ça veut dire. Merci. Voilà, je connais juste ça. Ainsi, ouais. Konnichiwa aussi. Konnichiwa kozaimasu. Allez, voilà. À bientôt, JB. Merci beaucoup. Bon séjour. Une petite dédicace. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Donc, je fais une dédicace à toute ma famille, à tous mes collègues, mes anciens collègues d'Ardo. Et voilà, à Barbie, à Mehdi, à tous mes potes et tout ça. Salut. Salut JB. Salut, ciao. Bisous. Merci de nous écouter au Japon. Romain de Toulouse. Romain. Oui. Romain, tu veux réagir? Bonsoir. Ouais, bonsoir. Salut. Romain. Alors, Romain, vas-y. Salut. Vas-y, réagis. Moi, je suis libertin, donc à partir de là, moi, je vois pas qu'il y a de la tromperie. Ah, bah, tu m'étonnes, hein? Bah, c'est sûr, tu baises à droite à gauche, il n'y a pas de problème. Hein? Voilà. Et moi, avec ma copine, je veux dire, il y a de la tromperie qu'à partir du moment où on ne se dit pas quand on va voir ailleurs, quoi. D'accord. Ah oui. C'est-à-dire que tu vas dans des clubs avec ta chérie, où vous faites prendre à droite à gauche, hop là, tout le monde voit tout, donc il n'y a pas de tromperie. Voilà, ou même quand je suis pas là, parce que je suis là qu'une semaine sur deux, le reste du temps, je suis en déplacement sur l'Europe. Quand elle va voir ailleurs. Moi aussi, c'est pareil. Ah, mais là, c'est pas pareil, parce que justement, sa copine n'est pas au courant que Maxence discute avec. Les mêmes règles du jeu. Les règles du jeu n'ont pas été posées comme ça. Donc. Bah non. Non, parce que pour vous, les choses sont claires. Oui, mais moi, le problème qu'il y a, c'est que j'ai jamais compris la jalousie, en fait. Oui, mais ça, c'est toi, Romain, avec tes valeurs, et puis t'es tombé sur une copine qui a les mêmes, et bravo, tout est clair pour vous, tout est transparent et c'est fluide. Maintenant, c'est bien quand les règles sont les mêmes pour les deux. Là, a priori, Maxence, c'est pas le cas, donc... Ah bah, avec Romain... Il faut en parler, de toute façon. Ah bah, Romain, on est quand même sur un cas particulier. On est quand même sur un cas libertinage, où, franchement, accepter que sa copine se fasse prendre par un mec qui est juste à côté de lui, c'est quand même un concept. Hein, tout à fait, mais il y en a de plus en plus. Ah bah voilà, on les embrasse fort. Venez sur Fun Radio. Nous, on invite tous les libertins à venir ici pour nous parler un petit peu de leur passion. Moi, j'aimerais beaucoup découvrir ce milieu. Ce milieu que... Voilà. Non, c'est vrai. Et sur les côtés aussi. C'est un très bon milieu. Hein. Ah bah, je n'en doute pas, Romain. C'est un milieu de partage. Partage de fouf, partage de bites. Salut Romain, merci beaucoup.
beaucoup. Et Maxence, il va falloir faire le point avec ta chérie. Bah oui. Fais déjà le point en toi. Ouais. C'est le en premier. Bah, le point, moi, il est fait. Quoi. Je pense que je ne peux pas aller voir une fille en sachant que ça fait qu'une semaine qu'on s'est parlé. Quoi. Puis là, ça va faire bientôt deux semaines. Quoi. Bah voilà. Donc, je ne la connais pas très bien non plus. Donc, est-ce que c'est l'histoire d'un coup de cliquette et puis j'en parle plus, quoi. Donc, Est-ce que tu as envie d'aller plus loin? Est-ce que tu as envie de la connaître plus, de passer plus de temps, d'en savoir plus, de la découvrir? Ou pas? Bah, après, je sais pas trop quoi. Voilà, c'est ça la question. C'est jouer à la roulette russe, comme on peut dire quoi. C'est vrai. C'est tout. Maxence, n'hésite pas à nous tenir au courant en tout cas. Et j'espère il a une bonne réflexion en tout cas. C'est bien, ça avance. Aidé, J'espère que ta chérie n'écoute bien, pas. Bien, tant mieux. Hein ce sont les risques. Bah, si elle écoute, tant mieux quoi. Sa conclusion est bonne. Dialogue. Ok. Ouais. Eh ben, merci beaucoup Maxence. Tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Bah, c'est moi qui vous remercie, puis je vous souhaite une agréable soirée. Merci. Tout à fait. Agréable soirée à toi également. une soirée qui va continuer avec Mikosé pour le Party Fun Deep. Bonsoir Mikosé. Bonsoir Karine, bonsoir Alice, bonsoir le Doc. Bonsoir. Je vous ai trouvé un peu dur avec Maxence. Ah bon, pourquoi ? À notre époque des réseaux sociaux où tout le monde doit paraître beau, enfin je trouve qu'il y a beaucoup sur le paraître et il a juste un crush. C'est beau de savoir qu'une nana te dit t'es mignon. Ouais, mais là il s'envoie des. T'as pas suivi le sujet, Miko. Elle a montré sa lune. Non mais je vous écoute. Ah bah oui. Ah bah toi tu. Ouais, mais toi tu trompes pas. Non, pas du tout. Non, là, vraiment pas. C'est la base du couple pour moi. Enfin, s'il y a tromperie, effectivement, ça sert à rien. Si t'es en couple, t'es en couple. Et où est la tromperie, c'est ça là. Bah, à partir d'un bisou, à partir d'une pipe, à partir. C'était sa question. C'est ça. Ça paraît pas si grave que ça. C'est une trahison. C'est ce qu'on lui a dit. Il y a pas tromperie, mais peut-être que. Il y a pas tromperie, mais peut-être que ça va lui permettre de dire finalement, je suis pas si mal dans mon couple. Et de repartir. Ou finalement, je vais peut-être aller tirer l'autre. Non, mais dans tous les cas, il serait allé. Ah bah oui. C'est ça, cette émission. C'est le débat et on pourra en reparler à tout moment. Je vais remercier Alison, notre auditrice du soir. Alison. Oui. Ça va, ma chérie? Ben oui, ça va. Le pack de l'auditrice du soir, il est pour toi, Alison. Bravo! Bravo, Alison! Bravo! Bravo, Alison! Et tu peux terminer cette émission, tu dis ce que tu veux, ma chérie. Eh bien, alors, moi, je suis super contente que vous soyez revenus. J'aime bien le nouveau doc, franchement. Merci. Et puis, je passe une super soirée. J'ai quelques doutes. Donc, à tous les autres soirs pour vous écouter. Puis, voilà, quoi. Bah merci beaucoup, merci. Alison. On vous fait des gros bisous. Ça a été un vrai plaisir de vous retrouver ce soir. Et on va laisser la place à Miko. C'est parti Fun Deep jusqu'à 2h du mat. Une heure. Mais ça ne dure pas assez longtemps, je le savais. Une heure et quart, je vais déborder pour toi. Je suis allé voir Sébastien, notre direct en antenne. Et je lui ai dit, ça ne dure pas assez longtemps. Très bien. Plus de Party Fun Deep. Tu as raison. Et bien voilà, jusqu'à 2h du matin. Faudra qu'on parle des tickets resto et de l'augmentation si tu veux aller le voir. Ah ça, tu gères. Hein. J'ai pas assez le bras long pour ça. Party Fun Deep, c'est parti, ça commence. Juste après ça. Et à demain sur Fun Radio.